Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un tout nouveau live sur les inepties du Ozaki Show. Aujourd'hui, je suis malade, je suis extrêmement malade, j'ai une grippe. Donc effectivement, ça se voit à ma tête, je suis un zombie là actuellement. Mais c'est pas grave, car en effet aujourd'hui on va jouer à Unholy War sur PlayStation. Un jeu que je connais pas du tout, ça a été recommandé par Benjamin contre des petites piécettes. Il m'a dit, let's go, fais une découverte, je sais que t'as envie de faire ce jeu en test, notamment sa version japonaise qui n'a strictement rien à voir. Et franchement, si le jeu me tente bien et me chauffe, il y a moyen que je vous fasse une review du jeu en sa version japonaise. C'est beaucoup trop classe, c'est assez atypique. J'en dis pas plus, je le teaserai peut-être un peu plus tard, mais effectivement, j'espère que vous aimez les Magical Girls. Donc, clin d'œil, ça va être extrêmement cool. Et effectivement, aujourd'hui, ça va être une grosse découverte. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, évidemment. Donc, je vous avoue que je suis je suis KO. Hein. Oh, j'ai de la fièvre à gogo. J'ai un mal de gorge, il est fort probable que je tousse énormément, je m'excuse d'avance, mais théoriquement, on devrait quand même bien faire les choses, ça va être sympathique, et encore une fois, une belle petite découverte. J'ai vu beaucoup d'extraits, j'ai vu pas mal d'informations à droite à gauche, notamment sur Toy for Bob, qui a fait ce jeu pour évidemment l'Occident, puis après le Japon, qui encore une fois c'est très différent. J'en dis pas plus, encore une fois, je vais pas tout niquer évidemment cette vidéo, mais juste, ouais, effectivement... C'est assez atypique, c'est une petite curiosité de la PlayStation qui n'est pas spécialement connue. J'en ai déjà interrogé quelques personnes à droite à gauche, notamment de mon entourage. Il n'y a personne qui connaît ça. Cyril 2.0, si tu passes par ici. Voilà, voilà. Et voilà, on va se régaler. Salut à toi, Katana Max. Ça va bien. Aujourd'hui, on va jouer à Unholy War sur PlayStation, donc un jeu de stratégie, à la fois de la baston, à la fois du jeu de plateau comme t'aimes bien en plus. C'est vraiment du jeu de plateau comme t'aimes bien, donc ça va être extrêmement cool. Même si, effectivement, je suis... Je suis en train de crever, j'ai une putain de grippe et oh, l'angoisse, l'angoisse. C'est évidemment maman Ozaki qui a ramené ça et qui a contaminé absolument tout le monde. Donc du coup, yes, trop bien. Mais sinon après, ça va quand même bien. Ça va déjà mieux que hier et avant-hier, parce que je bougeais pas du tout. On était en train de faire dodo. la fièvre à fond, n'arrêtait pas toutes ces... On ne mangeait pas du tout, c'était vraiment... l'angoisse, mais effectivement, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, j'ai la force pour faire un petit peu ce live-là, puis ça va être bien. Au programme aussi, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait quoi? J'ai fait la vidéo sur Metroid Prime sur GameCube, très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment cool, il y a eu des bons retours. Les gens étaient très contents, même si je me suis rendu compte qu'effectivement, Metroid Prime, ça parle pas autant que ça aux gens, hein. J'étais étonné de le voir au niveau des chiffres, au niveau un petit peu des interactions. Les gens préfèrent largement Super Metroid ou les épisodes en 2D. Moi aussi, mais voilà, je suis étonné pour... je suis vachement étonné, mais pourquoi pas. Et salut à toi Loïc, t'arrives pile pour un jeu PlayStation. Je sais pas si tu connais Unholy War sur PlayStation. Voilà, deuxième fois. Mais ça va être la grosse découverte et j'espère que ça va être sympa. Ça va être sympa, je connais pas du tout, mais Benjamin m'a dit que c'était un jeu de stratégie, de plateau, avec différents petits bonhommes que tu peux bouger et tout, ça va être super intéressant. Après, ça a dû prendre dans la gueule, hein. Ça a dû vachement prendre dans la gueule, et quelle angoisse! C'est à toi, Alf, putain, ça fait un moment que je t'ai pas vu par ici, mais voilà. Sponsor par Energy Mobile, le monde va mal. Ah oui, non, mais je contrôle pas les pubs. Les pubs, je contrôle absolument pas, et on découvre des choses. Ça peut pas à grand monde, en définitive, ah ouais. Ah, je suis étonné, vraiment, je suis très très étonné. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. On se rattrapera ce soir avec Die Hard sur PC Engine dans un petit short, ouais. Parce qu'on commence à faire de plus en plus des petites vidéos directement pour la chaîne principale et on va faire beaucoup de petits jeux à droite à gauche, des trucs assez connus, des petites curiosités, beaucoup de consoles exotiques parce que de la PC Engine... Voilà, grosso modo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, et du coup, bah, ça va faire plaisir de parler un peu de Die Hard dans une petite vidéo assez courte pour vous parler d'un grand film d'action, pour le coup, qui est vraiment génial, le premier. On parle de premier Die Hard, donc Piège de Cristal, avec la Nakatomi Plaza et tout, donc ça va être cool. T'as la grippe et tu joues à la PC Engine. C'est terrible quand même, mais loul. Et on dit Engine, bien sûr. Et pas Engine. Je sais qu'il y a... Ou Engine. Il y a beaucoup de gens qui disent PC Engine. Non. PC Engine. Excusez-moi. Enfin, je vois la version liftée de Die Hard Arcade sur PlayStation 2. J'aime beaucoup Die Hard Arcade sur Saturn. C'est un de mes jeux préférés de la machine. Un putain de beat'em up. Beaucoup trop classe. Très arcade, bien sûr. Et le jeu...
c'est une sacrée redécouverte du premier film et de ces différents événements. Surtout que c'est super bien fait. Ce gars a encore fait du beau jeu. Et la suite, évidemment, Dynamite Cop, j'ai particulièrement aimé. C'est le premier jeu en plus que j'ai fait sur la Dreamcast. Premier jeu que j'ai gravé, je l'ai mis tout de suite dans la console et je l'ai fini en 2-3 heures. En évidemment refaisant plusieurs parties parce que, bon, le Dynamite Cop, tu le finis en 40 minutes, mais pour bien comprendre le délire, pour bien voir un petit peu ses subtilités, ouais, non, il faut. Et oui, le sondage pour la DS, bah. Comme d'habitude, moi, ça m'étonne pas du tout et je me dis, bon, bah, tant pis, des choses qui arrivent. C'est vraiment terrible. Mais moi aussi, hein, j'ai du mal avec la PC Engine, avec ses différentes extensions et le Shoot'em Up que... Voilà, je suis pas spécialement Shoot'em Up, donc c'est pas une console que je joue souvent, mais dans les jeux PC Engine que j'aimerais beaucoup présenter, déjà c'est le Legendary Axe, donc un jeu qui ressemble beaucoup à Rastan, qui est vraiment pas mal de qualité. Il y a aussi le Katoshan et Kenshan, donc tiré évidemment du jeu avec les humoristes. Après, il y a le Bikuriman, bien sûr. Il y a Aoi Blink, donc Magie Bleue, qui n'est pas forcément très connu, mais qui est pas mal du tout. Puis après, j'aimerais bien creuser un peu plus à droite, à gauche. Notamment, il y a aussi les Notopia. Ça serait extrêmement cool de mettre en avant sur la chaîne. Le truc, après, ça demande du temps, et du temps, c'est ce qui me manque. Surtout, ouais, on a beaucoup de choses à faire bientôt. Salut toi, Benjamin, on va jouer à ton jeu. Et j'espère beaucoup que ça va te plaire. Encore une fois, je sais pas si c'est vraiment un jeu de stratégie, uniquement de stratégie, parce que j'ai vu... J'ai vu de la baston, je me suis dit, c'est vraiment ça le jeu, c'est un peu particulier. Donc c'est vraiment un mélange des genres et ça va être cool. Mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment une découverte parce que j'ai pas vu s'il y avait vraiment un gros scénario et tout. Donc on va voir et on va lancer le jeu. De toute façon, bah, il reste allez, encore une petite minute. Le temps ouais, de démarrer, le temps de voir un peu le tout. Mais ouais. Bientôt la Nintendo, là pour le sondage, parce que j'ai fait mon programme de jusqu'à la fin de l'année, vu que j'aurai un peu moins le temps pour faire des vidéos pendant quelques mois, je le dis tout de suite, je n'en dirai pas plus, c'est vraiment professionnel pour le coup. Katana Max, je t'en parlerai de vive voix et tu vas vite comprendre que j'ai eu encore un sacré délire avec tout ça, mais ça va être pas mal du tout. Mais ouais, j'aurai un peu moins le temps, mais on va faire des belles choses. Earthbound, c'est le mois prochain, bah, c'est même la semaine prochaine. On commence mercredi 1er, je crois. Non, mercredi 30, on commence Earthbound, sûr et certain. Donc, directement sur Super Nintendo, un jeu exceptionnel. On y joue avec une traduction française. Je sais que la traduction française, il y a beaucoup de easter eggs, notamment à l'animation. Je sais qu'il y a Inspecteur Lacogne, qui ressemble évidemment à ce que tu peux avoir dans Edgar la Cambriole. Donc, on en parlera. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu voir à droite à gauche, et ça va être cool. Donc, on commence ça la semaine prochaine. Et Atomic Runner, il est pas mal. Genre un petit jeu sympa, un petit shoot pédestre évidemment, assez atypique dans sa contrôle, notamment quand tu dois quelques trucs qui t'arrivent dans la gueule, mais il est pas mal. Il est vraiment pas mal, c'est typique de chez Data East, je crois. J'ai un énorme doute au niveau de l'éditeur, mais c'est sympa, c'est original et j'ai pas vu encore. J'ai pas vu ce qu'il a pu faire DG et Data East. On connaît, hein, on connaît ses classiques et... Bah ça ressemble beaucoup à Carnov dans ses décors, donc Mais oui, non, ouais, le jeu il est pas facile, il te prend pas par la main et Surtout que t'as plein de trucs qui t'arrivent à la gueule, t'es obligé de gérer à la fois l'arrière, à la fois le devant, et C'est chiant, c'est très très chiant, mais... Pourquoi pas, tu vois, c'est deux petits jeux sympas, pas forcément très connus, et Data East te montre qu'ils sont capables de faire des belles choses. Bon, on va peut-être lancer le jeu, donc bougez pas. Juste à le mettre le jeu dans la console. Je joue avec un gravé, bien sûr. J'ai pas le jeu à la maison. Je sais pas, il coûte combien, d'ailleurs. Je vais aller voir pendant l'introduction. Donc bougez pas. Je vais juste lui mettre le jeu. Hop. Salut ? Oui ? C'est bon, ça s'allume. Hop, hop. Oh, ok. Ouais, maintenant on va pouvoir poser. Ah, please insert un jeu PlayStation. Ah mince. Ah si si, le jeu il fonctionne. Tu vas pas me dire que tu fonctionnes pas. Ah putain, évidemment ça voudra pas. Alors bougez pas, je vais remettre le jeu. Ah ça y est, ma PlayStation elle va pas vouloir. Alors si mon gars, t'as fonctionné pendant toute la matinée. T'as intérêt à fonctionner maintenant. Est-ce que tu fonctionnes ou est-ce que je vais devoir rester là pour te remettre 50 fois? Allez, s'il te plaît.
C'est le moment. Vas-y. Démarre. Merci. Je sais pas pourquoi ma PlayStation a fait un faux démarrage. Mais c'est bon. C'est le tour des mots. T'arrives pile pour le début. On va commencer. Juste ma PlayStation ne voulait pas. voulait pas lancer le jeu. C'est aggravé, encore une fois. Donc, pourtant, ma PlayStation n'a pas de problème là-dessus. Hein, mais bon, de temps en temps, elle fait la gueule. Je rappelle, ça fait plus de 20 ans que je l'ai, hein, ma PlayStation, donc... Voilà. Donc, Crystal Dynamics, Eidos, j'ai même vu, évidemment, un petit truc où je me suis dit, non, sérieusement, il y a vraiment ça. Ben, on va le voir dans... Ben, non, d'abord, il y a une cinématique, puis après, on arrive sur l'écran de titre, et là, vous allez voir qu'il y a... On peut dater à peu près le jeu, on va dire. Et merci beaucoup, Namo, pour ce 8e mois. Pas mal, pas mal du tout. Plaisir. Allez, let's go. Donc, je rappelle que je connais pas du tout c'est quoi comme jeu. Je n'ai jamais fait. Je le connais absolument pas, mais je connais la version japonaise. Je sais à quoi ressemble la version japonaise. Je sais que c'est avec beaucoup de Magical Girl et on est là pour voir est-ce que ça mérite vraiment le détour. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne, puis après, let's go, je fais la version Jap juste derrière que j'ai pas gravé encore. J'ai pas gravé encore, mais je vous montrerai des images à la fin de ce live. Donc on est parti pour 2h30, 3h. Je sais pas si le jeu est extrêmement long ou pas. Donc, grosse découverte. Bon, par contre, les cinématiques PlayStation, ça n'a pas bougé. Quoique ça va... C'est pas si dégueu, en fait. C'est pas si dégueu que ça. Bah, c'est la CGI de... Enfin, 90, hein, pour le coup... Donc, je vous laisse deviner où se passe le jeu. Non, ce n'est pas au Moyen-Âge, mais plutôt dans l'espace, avec des créatures mystiques. Ah, par contre, c'est vraiment... Il y aura un brainstorming. Il faut quoi pour les gens? Il faut des robots, il faut des créatures, il faut la mythologie, il faut des couleurs. Il faut un peu de musique. C'est pas de la techno, mais... je sais pas si vous entendez bien le son. Peut-être que je l'ai coupé. Enfin, ça va. Je vais juste me le monter un peu pour moi. Si je peux. Est-ce que je peux monter? Oui, je peux monter mon son. Voilà. Donc, The Holy War sur PlayStation, donc avec une démo de Legacy of Kain Soul Reaver. Je l'ai à la maison. Sachez que je n'y ai jamais joué. J'ai toujours vu des démos, j'ai toujours vu quelques extraits. Je n'y ai jamais joué. Je ne serais incapable de te dire ce qui se passe dedans. Donc du coup, messieurs, il va y avoir des promos sur les piécettes si vous voulez que je découvre Soul Reaver. C'est le moment. Mais bon, dédicace à Katanamax qui a fait le deuxième d'ailleurs. Bisous à toi. Donc 98, ça va être pas mal du tout. Par contre, il y a une bande blanche là. C'est normal ça, la bande. Ah oui, il y a une bande blanche. Ah ouais, il y a bien une bande blanche directement sur l'écran. Bizarre. Alors, je vais aller d'abord dans les options. Il y a quoi dedans? C'est en français. Par contre, ça c'est cool. C'est cool parce que s'il y a un scénario avec pas mal de petites choses à droite à gauche. Let's go. Par contre, il faut mieux faire quoi? Le mode KO, le mode stratégie tout de suite? Parce que je sais pas comment ça va se découpiller, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que pour moi, le mieux, ça serait commencer par le mode stratégie, le mode le plus long. Ah, vas-y, let's go, on va faire ça comme ça. KO pour t'entraîner avec les persos. Oh, trop tard. Ah non, pas trop tard. Attends, on va s'entraîner avec les persos. Let's go Chaos. Alors, dans Chaos, on a quoi? Alors, la Technos, les Arcanes. Putain, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est soit l'un ou l'autre, ok. Ah, on peut jouer avec... Bon, on va jouer avec tout, comme ça j'aurai tout. Le joueur, c'est quoi? Ah oui, non, IA... IA face... Ah, vas-y, IA moyenne. Comme ça, voilà, j'aurai l'expérience originale. Et accepter. Et après, on a quoi? Cycle des niveaux, arène de glace, laboratoire, niveau aléatoire, décharge d'oxyde, arène de glace, laboratoire. Non, okay. Il y a combien de niveaux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va faire cycle des niveaux, j'en sais rien en fait, c'est quoi. Donc let's go. Let's go! Chargement, terrain d'essai.
Alors, Quicksilver. Alors, Quicksilver, c'est une marque déposée. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. Il y a quoi après? Sélectionner un personnage aléatoire, information sur le personnage. Bah déjà, je voudrais des informations. Quicksilver, beauté diabolique et métamorphosable qui aborde les chairs molles qu'elle aime à étaler. Bah, comme l'unité là, quoi. Ok, alors par contre, la bande blanche, ça m'embête. Voilà. Au moins, vous la voyez pas. Voilà. Trop bizarre. Trop bizarre, mais je l'ai quand même sur l'écran. Donc tout à l'heure, il n'y était pas. Alors, il y a quoi? Il y a ciselé. Chaco Cosmeur, Orbe, Bouclier, Fort contre Magus, Dark Angel, avec toi. Oh putain, oh putain, oh putain, va falloir réfléchir et tout. Non, ouais, c'est vraiment un jeu de stratégie. Bah, attends, c'est quoi là? C'est vraiment le mode baston, on est d'accord? C'est pas le truc un peu particulier où il va falloir. Parce que je sais pas ce qu'on fait hein, là. Le coup, 110 vie, action, pouvoir facile, coût 50, l'ennemi adjacent, air sans but pendant 3 tours, habitat, air de glace. Oh putain, oh oui. Ah oui, c'est ce genre de jeu où il faut manger des informations à gogo. Puis après, on a quoi? On a Tesla, comme les voitures. C'est le mode baston, d'accord. Bon, bah, on va découvrir. Il y a Jäger, il y a Mantis, il y a Razorfrom. Après, ils me disent pas c'est quoi le personnage que j'ai en face. Si j'aurais su à peu près, j'aurais regardé le bon personnage et tout, mais bon. Le Prana, ok, Magus, Morotu, Firewitch. Déjà, les Mogala, ok. Je vais prendre le premier. Je sais pas comment ça se joue. Ça se joue pas avec le stick, hein, on est d'accord. Parce que là, je joue avec la croix. Dans le doute. Non, bah, attends, c'est simple. C'est simple. Je me mets le stick. Ok, ça se joue au stick. Ça, c'est pas mal. Oula. Ouais, le truc est en train de me bourrer le cul, ouais. C'est le bordel. Non, attends, c'est pas le bordel. Attends, ah oui, on a de l'énergie. Ah oui, on a de l'énergie pour nos pouvoirs. D'accord. Bon, là, j'ai gagné parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais d'accord, il va falloir que j'utilise de l'énergie. Pour utiliser un tel pouvoir et tout, ok. Par contre, je peux pas changer. Attends, j'ai pas pu changer là. Je vais me faire bourrer le cul, hein. Bah, je vais mourir aussi. À moins que je. Comment il a fait pour se téléporter? Y a pas des coups. On est d'accord qu'il n'y a pas de coups spéciaux en mode Street Fighter. Hein. On est d'accord que c'est pas ça. Hein. Par contre, les personnages, ils ont une sale gueule. Et les arènes, ça me rappelle tellement bah, Power Stone, pour le coup, là, pour l'instant. Il y a des téléporteurs. Okay, d'accord. Ça rappelle Power Stone, les arènes, comme ça et tout. Finish him. Ah non, c'est un peu particulier. Bon, par contre, ah oui, mais maintenant que je connais le personnage en face, je peux savoir exactement, il est... Alors, Tesla, le métal qui coule dans les entrailles du Tesla le rend extrêmement fort et totalement fou. Ah bah, comme Elon Musk, en fait. Oh mon dieu. Au secours! Ah bah ouais, mais pareil! Tout pareil! C'est vraiment le même gars! Fou, oui! Oui, et fort, bah. Monsieur, il peut faire ce qu'il veut. Ah oui, j'allais dire que pourquoi ça s'est bougé? Non, c'est normal. Et maintenant, t'es sponsor par Tesla. Bah non, mais Quicksilver! Et Tesla! Et Quicksilver, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui est encore là-dessus. Hein. Je suis même pas. Ça existe encore. Attends, je suis curieux. Est-ce que ça existe encore? Parce que pour moi, ça n'existe plus, hein. Parce que c'est une vieille marque, hein. Quicksilver, vas-y. Je suis curieux. Et ça existe encore. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est fini le petit youtubeur en galère. Putain, si tu savais, n'hésitez pas à faire un don. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Mais non. Surtout que je veux gagner quoi? Quelques centimes. Waouh. Waouh. Donc ouais, Quicksilver, ça existe encore. Je suis vachement étonné, tu vois. Mais par contre, il y a quoi? Parce que tu dois manger des informations et tout. C'est un peu terrible. Et donc, chaque perso, on est d'accord qu'il va avoir ses habilités. Plasma, coup de... Non, roquette. J'essaie de comprendre. Hein. J'essaie de comprendre, j'essaie de voir ce qu'il fait et tout. Parce que là, il te balance 50 milliards d'informations. Va-t'en comprendre le truc. On va tenter quelques trucs. Oh quoi, c'est quoi ça? Là, c'est un bâton? Là, c'est quoi? Je sais même pas où je suis. Ah oui, non, je suis là. Ah oui, mais ah, putain, jouer au stick, c'est pourri, en fait. Parce que c'est pas précis du tout. Enfin, ou peut-être le personnage n'est pas précis du tout. La dame qui fait... J'ai rien compris. La dame qui fait... J'ai rien compris. Je lui balançais des pouvoirs, j'ai fait carré, 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 ça passe, ok.
bizarre le truc. Bon allez, go. Par contre, c'est moi où il n'y a pas beaucoup de musique. Ah si, là, il y en a, mais juste avant, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ok. Je pense qu'on va aller au mode stratégie, là, parce que bon, on a vu comment ça fonctionne, ok. C'est un truc en arène, c'est la Power Stone, t'as des pouvoirs, t'as beaucoup de personnages différents. Okay. On a vu comment ça fonctionne. Et faire tous les personnages, bon, on va faire ça. Surtout si le mode stratégie, il est long, autant aller sur le mode stratégie. Et certains personnages, ah oui, d'accord, c'est certains personnages qui peuvent quand même faire des dégâts dingues. Parce que là, moi j'étais là, pff, comment il fait? Le gars est allé au bout de la map, pouf, il revient dans un autre truc. Non, mais c'est un jeu qui a l'air pas mal. Mais là, pour l'instant, non, c'était un jeu de baston, Power Stone, ok, loul, on a compris, maintenant il nous faut le vrai. Qui veulent peuvent récupérer leur pouvoir au sol, d'accord. Parce que là, beaucoup de personnages et tout, mais. Le lac du cratère, on a quoi? Le mont Altlus, le grand désert, les Deadlands, la traversée de la rivière, les donjons, okay, les éleveurs, la mine. Les noms, ils n'étaient pas très inspirés. Hein. Le siège, le cratère, le grand vide, Kenai. Ouais, on va faire le premier. On peut charger une partie, donc ça c'est cool. J'ai une carte mémoire avec un bloc, donc au cas où. Ok, scénario. Je suis l'observateur, je surveille la planète Xaras et je suis témoin de l'Holocauste. On va vraiment parler de ça maintenant Oh non, on va pas... Ah, c'était par contre... Ok, l'Holocauste... sympa. Pas très sympa en vrai, mais... L'angoisse qui a ravagé son peuple pendant 500 ans. Effectivement. Ce conflit qui oppose les arcanes natifs de Xaras aux envahisseurs Technos semble sans fin. The Holy War commence. Okay. Alors, grande question, qui sait à le jeu physiquement et pourrait me dire la taille de la notice? Parce que je présume que la notice, elle doit faire un pavé avec toutes les langues dedans, avec énormément de lore et tout. Parce que là, c'est la grosse découverte, hein, mais bon. Les Technos forment un groupe de nations mécaniques dévouées au progrès éternel. Au fur et à mesure, et en un joueur... on peut jouer à deux joueurs, putain, en deux joueurs, ça doit être la folie en vrai. Sont arrivés sur Xaras après avoir fui les Hunters, une race hyper technologique et mystérieuse apparemment, décidée à les anéantir totalement. D'accord. Ok, chargement. Donc là, on va découvrir le jeu. Moi, ce que moi j'avais vu, j'étais très intéressé pour vous savoir à peu près c'est quoi. 54 pages, ah oui, d'accord. Scénario 1. Les analyses de profondeur ne signalent pas d'or AUR et pas or OR dans ce quadrant. Probabilité de construction de forteresse de 0% sans or. Les pouvoirs du guerrier ne sont pas encore disponibles. Objectif de la mission, vaporiser les habitants puis passer au cadran. Ok, d'accord, allez. C'est grave ce qu'on fait, mais pourquoi pas. Ah, 25 pages par langue, je me disais aussi. Putain, 54 pages juste pour une langue, c'est un peu chaud. L'analyse de bataille indique qu'il y a des chances accrues de succès survie. Si le type des guerriers choisis correspond aux guerriers ennemis particuliers. Ok. Sachez qu'il y a des jeux Warhammer hein, aussi. Si vous voulez faire du Warhammer sur PlayStation, il n'y a pas de problème hein, là-dessus, mais. Ça a quand même vieilli, hein, je précise un petit peu. Mais pourquoi pas? Ok. Je ne connais pas plus que ça en Warhammer, hein, pour ceux qui connaissent. Mais bon. Le lore est dans le jeu en fait. D'accord, bah on découvre. On découvre. Donc le premier. Donc là, je suis aide. Imaginons que je demande de l'aide. Ah non, mais ça, je sais. Donc là, ok. Là, on peut jouer avec nos unités. Ah, et c'est pour ça, plus tu... D'accord, c'est pour ça qu'en fait, t'as des grandes fiches pour te dire ça, c'est efficace comme ça. Ça, c'est efficace contre ça. D'accord. Donc ça joue vraiment comme... ça se joue comme civilisation, pour le coup. Namo. Je l'avais dit en plus. J'avais dit que ça joue comme civilisation, mais ok. Donc imaginons que je prends l'unité peut-être la plus lointaine. Bon, celle-là. Imaginons que je fasse ça et elle peut se déplacer sur. Ah ok, d'accord. Ok, je vais faire ça. Ah j'ai droit à ok, j'ai droit à deux tours. Je sais pas c'est quoi et ils seront efficaces contre quoi. La folie suivant. Ok. Est-ce que je peux savoir ou pas?
Ah, je peux savoir exactement, ils sont... Ah, il va falloir que j'apprenne... Il va falloir que j'apprenne tout. Ok. Les faibles contre le Jagger, le Razor Fan. Ok, est-ce que j'ai ça en face? Mero. Riser. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est quoi? Nicolas et Bubba. J'ai aucun truc qui peut... Bah, je vais jouer mes unités un peu sur la défensive. On va voir. Le Jagger, c'est le gros tank. Putain, vous auriez pu me le dire, là. Ma civilisation, c'est moche aussi, hein. C'est vraiment moche, hein, civilisation. C'est juste une vieille carte, hein, avec un peu de verdure et la mer. Hein. Là, regarde, t'as la mer, hein. T'as voulu la mer, elle est là. Par contre, ils viennent tout de suite sur mon gars. Donc, on est d'accord que mon gros machin, c'est ça. Hein. Donc, faible contre le Jagger, le Razor Fan. Donc, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent tuer loin ou pas? Parce que ça, je sais pas. Et effectivement, c'est bien le Jagger. Mais par contre, il est pas fort contre... Bon, c'est bizarre. C'est parce que c'est... Ok, c'est fort contre un truc, mais pas l'autre truc. Pff, pas de problème. Bizarre. Il faut de l'or, d'accord. Parce que là, je me dis, ça serait cool de pouvoir attaquer là à distance. Mais après, je sais pas... Je sais pas si c'est worth it de le faire ça. Et je sais pas si c'est bien d'aller tout de suite vers les gars. De toute façon, on découvre. C'est une grosse découverte, les gars. Donc c'est normal si je joue comme un pied. Hein. Je connais pas. Je vais voir si je peux... On peut attaquer ou pas? Vous ne pouvez pas atterrir sur un hexagone occupé. D'accord. Bah, je vais aller au centre. Ah, d'accord, c'est un vaisseau, ça. Bah, je vais aller au centre. Mais je peux pas confronter les unités. J'ai pas compris comment ça fonctionnait. Là, imaginons qu'il fait ça. Ah oui, ils attaquent quand même. Et là, je suis en mode baston, c'est ça? C'est ça le truc? Ok. D'accord, c'est à la fois un jeu de baston et à la fois le jeu de versus. Ok. Faut faire ça. J'ai perdu. Je perds. Ah oh, putain, évidemment. Tu joues pas comme un pied, car le pied joue mieux que toi. Putain de merde, maman. Ah putain, mais quel enfoiré. Le petit tacle là qui me fait merci, hein. Pour avoir un peu de compassion. Putain, si j'aurais su, j'aurais pu le dégommer, hein. Et là, est-ce qu'il gagne rien du tout? Il gagne pas d'or. Je sais plus si j'avais quoi d'autre. J'essaye de comprendre. Salut toi, Chrono, t'arrives pile pour un live où je suis malade, mais je joue à un petit jeu de... Comment dire? Un jeu de stratégie. Un hexagone. Alors, un jeu de stratégie à la fois de baston, donc c'est... Un sacré mélange, mais pourquoi pas? Après, je sais pas, est-ce que... il veut un truc, là. Parce que je sais pas comment on fait pour attaquer quand on est sur une case et tout, donc... Mais c'est le genre de jeu que j'aime bien, hein. Je tiens à préciser. Il y a le Yu-Gi-Oh aussi, capsule colisée que je dois faire comme ça, mais... Bon alors attends. Le Zendar. Est-ce que ça c'est ma grosse unité? Faut pas que je la perde, sinon c'est game over. Parce que je sais pas. M'a dit... Ah non, c'est pas ça. Ah attends, essaye de comprendre. Ah oui, ça c'est le gars qui m'a buté. Tu te mets à côté et tu attaques. Attends, bah je vais essayer de faire ça. Je peux pas faire ça. Bah, je vais rassembler mes unités. Ah, je peux aller là, au pire. Je peux faire ça. Je fais ça. Et ça met automatique. Ça fait une attaque automatique. Ok. Bah, attaquer. Let's go. Donc, j'attaque mon vaisseau contre son lézard. C'est game over et vice-versa. D'accord. Bah, voilà, je l'ai buté. Je l'ai buté trop facilement. Vas-y, C'est un vaisseau qui ressemble à un requin. Mais le gars, il est comme sur une moto. C'est trop bizarre, le style, mais pourquoi pas. Et je peux pas. D'accord, une fois que j'ai déjà attaqué, je ne peux pas rebouger mon pion une deuxième fois. Ok. Suivant. Suivant, let's go. Suivant. Je veux pas jouer. Vous avez déjà déplacé ce... Oui, mais je veux pas. Je...
Est-ce que je peux faire ça? Non, je suis obligé de bouger à chaque fois mes trucs. Chiant. Mais ok, là, pour l'instant, on découvre. On découvre, on est bien. Bon, j'ai fait juste le con avec une unité parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Je connaissais pas ses capacités. Il joue en retrait ou pas? Ah, il joue en retrait. Visiblement, il a peur. Tu peux annuler avec Select, je pense. Bah, attends, je vais voir. Je dois faire ça. Si je fais Select... Non, Select, c'est pour... Ah, si, c'est bon. Oui, non, c'est ça. Oui, oui, tu peux faire ça. Tu peux faire Select et faire passer, mais... ok. Bon, là, c'est risqué, hein. D'aller tout seul... Les affronter, sachant qu'ils sont 3 contre moi. On va pas faire ça. Je vais jouer stratégique. Je vais jouer comme ça. Là, ils peuvent pas y aller au centre. Ils sont pas d'unité volante, donc ça va. Et ils reviennent vers moi. Allez, venez vers moi. Je vais y aller avec mon... Voilà, mon paladin. Je sais pas exactement c'est quoi. C'est un robot avec un bâton. Et l'autre, c'est... C'est une fille avec... putain, je sais plus. J'essaie de deviner, hein. J'essaie de voir à peu près c'est quoi. Ah, vas-y, c'est type part pour jouer comme deux mongols. Vas-y, hop. Allez, meurs. Parce que je l'ai battu comme ça tout à l'heure. Vas-y. Arrête de sauter. Enfin, dans Power Stone, on aurait pris plein de trucs pour les balancer sur les adversaires. Mais non, là, ici... Meurs. Est-ce qu'il y a... Ok, j'essaie de voir comment ça fonctionne le système de sort. Ah, je peux! D'accord! C'est vraiment des compétences liées à certains personnages. Parce que là, j'ai pu me téléporter. En appuyant sur triangle, hop, j'ai pu me téléporter. Effectivement, certains personnages ont le téléport de base. Pas mal! Pas mal du tout. Mais faut jouer stratégique, encore une fois. Donc ça, c'est KO. Mais là, j'aurais... Je sais pas, est-ce qu'on peut, on peut se soigner ou pas? Je pense pas. Y'a pas de truc pour de soins et tout. Ok. Ok. Je suis en train de réfléchir. C'est à moi ça? Oui, c'est à moi. Je vais complètement oublier que j'avais ça. Au secours. Bon, là, c'est, ouais, c'est la première map. Oh, on peut bouger. Ah, on peut bouger comme ça. Ok. Ok. Je vais plus le mettre comme ça pour voir une vue d'ensemble. Par contre, la map, elle est toute petite. C'est vraiment des maps toutes petites comme ça à chaque fois, parce que là... pas dans le mode stratégie. Ok. J'ai pas d'or, tu vois. Là, pour l'instant, c'est... je pense que ce sera après que j'aurai l'or, parce qu'on m'a dit... On m'a dit clairement que je dois tuer les gens. Donc, tuons les gens. C'est pas bien, mais tuons les gens. Voilà, on y va avec le vaisseau, là. Boum, 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 boum. Il perd combien, exactement? Ah! Ah, il se téléporte lui aussi. Oh, par contre, il est lourd. Pardon! Le truc, il m'a buté en un coup. Ça va? J'ai pas eu le temps. Le gars, il était derrière moi. Boum! Une grosse attaque, c'est fini. Ok. Et eh ben, je suis mort. Ok, donc là, je vais... Ah, mais je peux pas, je l'ai déjà joué. Je vais faire ça, comme ça. Et je vais me mettre sur le coin... en bas à droite de la carte. Pour établir mon siège, bien sûr. Mais... Enfin, quoique... Lui, il a quand même 100. Hein. Est-ce que je peux l'affaiblir? Je pense que je peux l'affaiblir. Hein. Je vais essayer de l'affaiblir. Ça sera déjà ça de gagner. Mais... En plus, c'est toujours la même map. Trop bien. Comme ça, je peux jouer comme un traître. Starfall, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Starfall, ok. D'accord. Ah non, mais là, je suis en train de me faire buter moi-même, en fait. Bon, en tout cas, ok. Donc, Starfall, c'est pour envoyer des boules de feu. Mais ça me tue, donc... Ouais, bof. Ok. Bon, moi, je l'ai pris pas mal de santé. 60 ou 70, j'ai mal vu. J'ai très mal vu. 60 ou 70? 60, ok. Bon, il a dû se prendre une boule de feu pendant que j'étais mort et le truc, pouf, lui est tombé dessus.
moquer. Et bah, je vais jouer mes petites unités contre lui, en vrai. Pas mes petites unités, maintenant c'est que les grosses, mais... Ah, le Abaddon, il m'a fait bobo hein, quand même. Par contre, la grande question, encore que je me pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir se soigner au bout d'un moment ou pas? Parce que là, pour l'instant, je perds de la vie, je perds mes unités, mais je sais pas si on va pouvoir gagner de la vie au bout d'un moment. Ah, lui, balance, ok, lui balance ça. C'est le robot qui balance des scies. Aïe. Moi, j'aime bien jouer à distance, comme ça, je suis sûr et certain de ne pas faire avoir. Par contre, le gars est chiant. Est-ce que tu peux arrêter? Est-ce que tu peux venir au corps à corps? Regarde, le truc insupportable, il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens, le truc, pour pas se faire toucher. Aïe. Il est en train de me buter. Attends, je vais jouer comme un traître. Ok, là, il y a des scies. Vas-y, viens vers moi. Ah, mais s'il vient par là, il va se faire buter. Ah, si, mais tu. Si, il y a du pouvoir. Si, il y a de la santé. Ça, c'est de la santé. Je crois de souvenir, c'était ça. Voilà, si, il y a de la santé. C'est pas uniquement en mode baston. T'as de la santé quand même en mode stratégie. Me disais aussi, c'est bizarre le truc, tu peux pas gagner de la vie et tout. Si. Donc là, ouais, pour l'instant, c'est uniquement comme ça. Pourquoi pas? Mais ok, donc oh, c'est possible de gagner de la santé quand même en mode stratégie. Donc là on va passer. Donc là elle va vouloir m'attaquer. Okay, let's go. Donc là il faut bien jouer. Bah faut bien jouer, faut jouer tout simplement. Donc est-ce que c'est dans le désert ou pas? Non, c'est encore une fois dans le truc comme ça. Allez, vas-y, let's go, on balance les scies. Aïe. Viens vers moi. Ah, le gars qui l'attend près du mur là, vas-y viens. Viens, je t'attends. Par contre là, en termes de. Ah, comment dire, de. Ah de distance et tout, c'est un peu bizarre. Comment ça se joue et la précision, c'est pas très précis. Parce que là j'étais en biais. Et pour décaler, t'es obligé de faire un. Presque à 90 degrés, donc c'est trop chiant. Tu peux pas être super précis. Je sais pas si ça, au niveau du stick, ça arrange le truc. Parce que j'ai arrêté de jouer au stick, c'est un peu chiant. Et voilà. Et on va save. Oui, non, mais on est là pour jouer au jeu, on est là pour découvrir tout. Victoire pitoyable. Merci. Merci, mais excuse-moi. Moi, je joue comme je peux, mais... Bon, le jeu est sympa. Un bloc pour 4 enregistrements. Inutilisé. Ah ouais, donc c'est... D'accord. De toute façon, j'ai qu'une place. Hein. Sur la carte mémoire, me demande pas plus que ça. Et pourquoi pas? Et on continue ainsi, d'accord. Le technicien humain enfuit le système solaire de la Terre pour voyager vers le centre de la galaxie. Les Mantis, race la plus mystérieuse qu'ils aient rencontrée, n'ont jamais vraiment expliqué qui sont les Hunters et pourquoi... Ils les ont chassés pendant tout un millénaire. D'accord. Et là, ok. Donc, il y a 11 maps. Oh, elles sont petites. Elles sont trop petites, les maps, par contre. Scénario 2, Mont Atlus. De nouveaux ennemis arcanes ont été détectés. Point de contact prévu en colline 1134. Non indigène. Atlus. Si le tuf rhyolitique empêche de construire des fondations solides à notre forteresse, les riches gisements d'or... Je vois qu'il y a effectivement des trucs d'or OR qu'on voit là. Nous permettront d'alimenter les pouvoirs des guerriers. Extrayer l'or en plaçant un guerrier sur un site or. Pensez à utiliser le XR28 de Jaguar, l'extrait à haute vitesse. Ok, d'accord. Donc c'est eux qui commencent. Et on a 70 d'or AUR. Ponte réussie. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait? Il évolue? Échec de la ponte. Je sais pas c'est quoi. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs et... Ok. Donc, utiliser le Jaguar. J'ai pas de Jaguar sur moi là. Donc là j'ai les robots. Si j'ai un Jaguar là. Vas-y hop. Jaguar là-dessus. Et... Un bombe nucléaire. Je peux vraiment faire ça. Je peux vraiment faire ça. Je sais pas. En gros, faut placer le Jaguar sur l'or pour avoir plus d'or à récolter. Bah, c'est ce que j'ai fait.
Après, je me méfie évidemment des messieurs. Donc je vais mettre sur l'or tout de suite, en vrai, pour être bien, pour avoir au moins 3 sections d'or. Puis, on va voir ce qu'il fait le gars en face. Est-ce qu'il va venir me battre? Ou est-ce que... il va faire de la merde? Pourquoi j'ai pas compris ce qu'il fait? Ah, il se multiplie! Wesh! Ah oui! Ah oui, d'accord, le truc se multiplie! Ah oui! Non, attends. Comment on fait? Destruction, non, on va pas vers ça. Alors, grande question. Est-ce qu'il faut mettre 2 unités ensemble? Est-ce qu'il faut mettre 2 unités ensemble pour qu'ils fusionnent ou pas? J'ai pas compris. Mur tranchant. Ah, par contre, on a des pouvoirs et tout. Ah. Imagine que je fais surcharge. Surcharge sur ça. Ça marche? Vous pouvez pas utiliser ça à distance. D'accord. Et bon. Ok. Pas de fusion entre 2 unités. Bah, c'est ce qui... Le gars, il a fait ça. Il en a créé une. Comment elle a fait? Moi, je voudrais bien aussi créer mes unités. Bon, par contre, attends. Imaginons que je fais bombe nucléaire. Vas-y, bombe nucléaire. Est-ce que je peux taper jusque là? Inflige 15 points de dégâts. Seulement! Bah, j'aurais pas fait ça. Ok. Il a utilisé son pouvoir personnel. D'accord, bah c'est ce que j'ai vu. Ah, d'accord, parce que lui, il a le... Attends, aide. Il y a vraiment ce pouvoir-là ou pas? Ouf. Ah, mais vous savez, vient d'éclore... Pouvoir progéniture. D'accord, donc oui, son pouvoir à lui. Chance de créer gratuitement un nouveau prana. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. C'est bien le gars qui peut faire ça. Donc moi, c'est quoi, là? Surcharge. Vas-y, attends, on va lire les descriptions. Fournir à un allié le niveau de vie de 150%, d'accord. Mais l'allié meurt d'épuisement au bout de 3 tours. Oh, c'est pas très bien. C'est pas super, super génial comme pouvoir. J'aurais préféré me multiplier, mais bon, pourquoi pas. La destruction, je pense que c'est moi qui me... Une explosion produit 25 points de dégâts dans 6 hexagones adjacents, d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que je vais... J'hésite. Je sais pas si... Attends, je vais peut-être l'attaquer. Comme ça va le dégager de l'or. Et je vais mettre mon perso plus là au centre. Comme ça, je vais pouvoir dégager tout le monde. Oh, par contre, c'est de la merde. Attends, c'est quoi son pouvoir, là? Ah non, c'est pas de la merde. Ah non, c'est pas de la merde, son pouvoir. En fait, c'est sa grosse queue. On peut le défoncer. Et ça lui fait, je crois, 20 d'attaque. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, ça fait un peu chier, hein, parce que bon, on utilise quand même son gars pour rien. Mais pourquoi pas? Donc là, je vais me mettre là, hop. Comme ça, si je me mets sur l'hexagone, là, au centre, je peux faire la grosse attaque. Et let's go! Donc allez, je vais utiliser mon Savtex contre... J'ai pas vu le nom du gars. Ah oui, il s'auto-détruit! Ah mince! Ah mince, je pensais qu'il se détruisait pas! Ah non, mince, il s'auto-détruit. Par contre, le truc en l'air, je peux pas le toucher. Ah ouais, non mais le gars, il est craqué aussi. Il vole! Il vole, je peux rien faire contre lui! Ah, il va me tuer. Ah bah ouais, mais le gars, il vole aussi, forcément. Et là, ouais, ok, d'accord. Donc sur certaines unités, mieux vaut jouer stratégique. Mais un gars comme ça, le truc, il vole dans tous les sens. J'ai pas, moi, des trucs comme ça. J'ai pas d'unité... Moi, j'ai des unités... Bah, j'ai une unité volante et elle est pas ouf, tu vois, donc... Par contre, ça va être long, là. Parce que si le gars, il peut se multiplier... Ah, mais non, je suis complètement con. Je suis complètement con. Parce que il pourra pas se multiplier s'il a pas, il a pas assez d'or, en fait. C'est ça, le délire. C'est 100% ça, le délire, pour le coup. Je connais pas du tout... Mais moi non plus, hein. C'est ces grosses découvertes, hein, là, on y est, hein. On découvre le truc. On se rend compte qu'on est sur quelque chose de... Pas mal du tout, en vrai. Même si, ouais, c'est... Faut réfléchir. Faut réfléchir. C'est pas forcément évident. Mais on y va. Donc là, ouais, il faut que je bute tout le monde pour qu'il n'y ait pas assez d'or.
Mais après, en jeu de stratégie, moi, Age of Empire à 10 000%. Empire Earth aussi, qui était pas mal du tout, même si dans un style très différent. Mais voilà, après, chacun verra midi à sa porte sur le jeu de stratégie. Oh, putain, il va me buter. Vol. Je m'enfuis pas, je vole. Bute-le ! Et on est morts tous les deux. Et mince. Merde. Après, j'ai réfléchi en jeu de stratégie, vraiment, que j'ai adoré. Après, c'est surtout des jeux de gestion que j'ai en tête. Moi, c'est surtout le deuxième de Age of Empire. Age of Empire 2, avec les rois et les quêtes, évidemment, qui étaient trop ouf pour l'époque, mais... voilà, c'était plus sur PC, hein, pour le coup. Bah, je vais jouer mon unité là, comme ça. Je vais pouvoir la buter, elle. Hop. Boum. Et là, cette unité, elle est morte. Okay. Par contre, le bombe nucléaire, c'est pas ouf. Hein. C'est juste 15 de pouvoir, c'est nul. Je pensais que c'était un peu plus que ça, tu vois. Au moins 25. Là, non, c'est nul. Mais par contre, j'ai rien d'y penser. Imaginons que mon gars, en mode autodestruction, il avait genre pas grand-chose. J'aurais pu tellement le buter, en fait. L'unité de soin de l'adversaire. Ah. Bah, c'est déjà ça, tu vois. C'est... On prend ce qu'on a, on va dire. Mur tranchant, c'est quoi? Peuvent rentrer dans un hexagone pendant 3 tours. Ok. D'accord. Comme ça, sur console, jamais fait. Bah, des jeux de stratégie sur console, il n'y en a pas beaucoup, déjà, de base. Plus surtout, c'est... Bah, je joue à la manette. Grande question, est-ce que ça se joue à la souris? Si ça se joue à la souris, c'est encore mieux. Et auquel cas, c'est cool. Alors, mur tranchant, ça sert à rien. Régénération, c'est pour se soigner, on est d'accord. Guéris l'allié adjacent pour 25 de vie. Je vais me mettre comme ça, dans le doute. Comme ça, ça va pouvoir me soigner mon saber. Attends, mince. On fait comment, là? Oui, c'est ça. Je veux ça. Let's go. Vas-y, on y va. Ça aide de comprendre. Hein. Ah oui, c'est mon gars sûr. C'est mon gars sûr. Le gars avec... C'est si circulaire. Par contre, je me fais buter, là. Est-ce que le gars, il arrête pas de sauter? Oui? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort ou quoi? Ouais, le gars, j'arrive pas à le buter. Ah, c'est bon. C'est bon, je suis à côté. Je suis mort. Son pouvoir, elle est chiant parce qu'il te pompe ta santé et t'es mort. Pourquoi le jeu de stratégie, c'est souris, clavier, bumper? Non, franchement, ouais, moi aussi. Hein. Je peux pas jouer autrement que clavier, souris sur les jeux de stratégie. On m'a posé la question pour la FAQ en plus. Hein. Quelqu'un qui m'a dit tu préfères jouer comment? Avec 2 boutons, 3 boutons, plusieurs boutons et tout? Non, moi je. Ça dépend le style de jeu, ça dépend ce qu'on fait et tout, et let's go. Donc là, je vais pas pouvoir me soigner. Hein, Il fait quoi? Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la pure chiasse. Attends, c'est pas de la pure chiasse. Parce que si je fais ça, je peux pas me régénérer. C'est quoi son pouvoir, là? Oh non, c'est de la pure chiasse. Est-ce que je peux pas me soigner? J'ai pas compris. J'ai pas compris son pouvoir. Je n'ai pas compris son pouvoir. Je sais que tu pouvais appuyer sur les flèches. Ça faisait 2. Autant te dire que j'avais aucune chance. Mais pourquoi pas? Ah, mais va me buter maintenant. Non, elle va pas me buter. En vrai, non. Parce que ce truc-là... Ah, mais il fait 0. Attends, c'est ça le problème. Donc ça, je peux faire ça. Et encore une fois, ouais, jouer clavier souris à un jeu de plateforme, non, tu vois. C'est nope. Ah, mais le robot, il est chiant. Il est lourd, dingue. Moi, je l'ai buté. Mais le robot, ouais, il est pas fait pour... Il est pas fait pour le combat, le robot. Il est plus là pour gérer les actions, pour prendre de l'or et tout. C'est un peu terrible. Il a combien, lui? Ah, j'aurais pas assez. Je pense que je vais mourir. Il y a de fortes chances que je meure, même. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça sert à rien du tout. Quoique je peux quand même faire ça. Boum. Voilà. Est-ce que je peux...
Je peux pas téléporter les adversaires avec mon pouvoir téléportation, hein. On est d'accord. Ok, les deux tanks. De toute façon, j'ai perdu le scénario. C'est mort de chez mort, mais pourquoi pas. Vas-y, on va faire ça comme ça. Vas-y. Oh, vas-y, c'est trop bien. Oh, il est lourd. Oh, il est lourd. Aïe. Oh, il est lourd, mais... Il m'a dégommé. Il m'a dégommé. En fait, il m'a chargé dessus, c'était fini. Et dedans, tu peux pas téléporter. Enfin, c'est fini. Bah, de toute façon, j'ai perdu. En fait, j'ai mal joué, je pense. J'ai très mal joué parce que j'avais pas c'était quoi les sorts qu'il avait. Et là, il va se fusionner. Non, ça va. Ouais, mais il va pas arrêter de faire ça. Ah, quoique, il y a plus beaucoup. En vrai, il y a plus autant que ça d'unités. Donc, je dis de la merde. Hein. Il y a plus tant que ça en unités. Je peux réussir. Hein. Si je joue bien. En fait, si je joue comme un traître. Il y a moyen. Voilà, j'ai gagné. On va jouer. Je pense qu'on va jouer comme ça. Volta, t'es mon unique chance maintenant pour gagner. En fait, on va jouer petite bite. Et ça devrait passer. Vous avez déjà. Ouais, ok. Je sais pas s'il faudrait sauvegarder entre temps. Et Psychoquack pour tous les dominés. Tu sais que j'ai attrapé un Psychoquack hein, dans Pokémon Écarlate. C'est un des premiers Pokémon que j'ai attrapé. J'avais même tagué, je pense, sur le Discord. Si je dis pas de bêtises. Ah, ça y est, le jeu, il se dit... Let's go. Et là, je peux rien faire. Je peux pas le déplacer. Oh, vas-y, viens m'attaquer. Le pourcentage de chance, il est assez moindre hein, là pour qu'il fusionne. Parce que là, il perd à chaque fois. 30%, c'est en plus, c'est que dalle. Donc on va faire ça comme ça. Et je vais attaquer le gros. Parce que le gros, il est loin. Je lui donne 3 coups de bâton et ça devrait le faire. Je lance Shiny, le Psychoquack, mais je suis pas fan du bleu. Oh putain, oh il fait mal. Qui est dans ton cul. C'est bon, c'est passé. Par contre, la santé, va falloir bien jouer. J'hésite à sauvegarder en vrai. Un peu maroufler le truc, mais. Je sais pas. Bah, on peut maroufler le truc, mais. Ouais, non, tant pis. Est-ce qu'on revient à l'écran titre hein, quand c'est comme ça? Tu peux avoir une grosse armée de Prama Devil. Bah, franchement, ouais, je vois ça. Je vois ça, mais après, ouais, ça doit être chaud. Hein. Je sais plus si je l'avais dit. En shiny, j'ai le cochon. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, oh, allez, ça y est. Bah, c'est perdu. Et lui, il va aussi se fusionner comme ça. Non, ça va. Est-ce que je peux avoir un avantage sur eux? Parce que s'il y a des terrains où je peux avoir l'avantage sur eux, ça serait cool. Mais là, pour l'instant, c'est de la bite. Hein. Ah, quoique. Mais s'il est en train de pondre. Il est en train de pondre ce connard. Forcément, je vais perdre. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Il faut que je... Ok. En fait, je pense qu'on va faire le tour. On va faire le tour. Aïe. 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 J'ai perdu. Je me suis fait manger. Je me suis fait manger par le petit truc. Mais forcément, il y a 50 machins. En vrai, s'il avait pas fusionné ses unités et tout, j'aurais pu gagner. Hein. Mais juste, j'ai mal géré au niveau avec mon robot. Je m'attendais pas à ce que le rhinocéros soit extrêmement vénère. Mais bon, une victoire digne. J'ai perdu. Oui, je veux recommencer. Donc ok, bah c'est. Sauf qu'on a déjà, tout vu du jeu. C'est un peu terrible à raconter, mais après ça reste sympa. Ça reste sympa parce que je me dis, la version Jap, comment elle doit être en vrai. Allez, let's go, il arrive, boum. Boum. On fusionne. On a déjà un. Alors, moi j'avais dit quoi? J'avais dit, lui, l'unité volante là-dessus. Le robot là, comme ça. Mon gros robot là-dessus. Au moins, je peux avoir de l'or à profusion. Après voilà, on découvre. Putain, par contre, il y en a. Comment ça y aller avec ces petits machins? Ah, il m'attaque direct. Ah ouais, d'accord.
Le gars, il perd pas de temps. Il est là pour attaquer mon robot. Ah, mais oui, mais non, mais je l'ai fait. Bah, je l'ai fait là. Donc, ça, c'est quoi? J'essaie de voir exactement c'est quoi. Ah, c'est quoi ça? Ça marche comment? Ça marche comment? Ok, là, je vais pouvoir me soigner. J'ai pas compris. J'ai pas compris ces attaques. Ah, mais c'est une fourmi! Je ne comprends. Je viens de comprendre que c'était une fourmi. D'accord, c'est une fourmi le truc. Ok. Donc là, repli stratégique pour que la fée. Elle est où la fée? Régénération. Ah, je peux pas. Je fasse ça. Et je fasse régénération sur ça. 25 points. C'est pas beaucoup, mais. Je prends. Je pense que je vais le refaire un nouveau tour. Puis let's go. Mais là, avec cette dimension-là, c'est cool. Parce que je peux potentiellement me soigner en cas de trop grosse défaite. Donc là. Ah, est-ce que je peux le faire plusieurs fois? Je pense pas qu'on peut le faire plusieurs fois par. Comme ça, je me remets à balle. Ah non, je peux pas. Donc c'est une seule fois que tu peux te régène. Ok. Bon, je vais mettre mon Hanstein, bien sûr, là. Là, c'est quoi? C'est le. C'est corps. Je vais le mettre là. Je sais plus, il fait quoi le robot? Ah, c'est le robot avec la scie. Ok, non, non, c'est bon. Je sais c'est qui. Je sais c'est qui. C'est le robot avec la scie. J'aime bien. Regarde qui va gagner. Non, ça va. Non. Non. Donc là, je suis en train de. Ma stratégie, c'est de me remettre à bloc avec ma fourmi. Et essayer de faire une percée. Donc là, pour l'instant, on régène. Je pense que si je bouge mes unités, je bougerai en même temps ma soigneuse. Et là, maintenant, je vais là. Et je vais aller buter. Hop, ce truc-là. En espérant que je sois bon. Si je suis pas bon, je suis dans la merde. Donc là on a quoi? Est-ce que ça tue? Oui, non, ça, oui, ça tue. Oh, t'es mort? Ok, t'es mort. Ok, la lave ça fait mal. Allez, dans la lave ça tue les gens, c'est pas bien. C'est. Ok. Ok, d'accord. Mais pourquoi pas? J'en découvre. On découvre que la lave c'est pas bien. Tu peux mourir d'être dans la lave. Par contre, il bougera pas, ouais, j'allais dire. Tu l'attaques au cac avec le razor. Je vais aller voir. Parce qu'il y a des attaques que j'ai pas compris. J'étais incapable de te dire comment ça fonctionnait. Mais pourquoi pas? Donc il y a une soigneuse là-dedans. J'ai pas vu c'est qui exactement la soigneuse? C'est ça? Par contre, elle vole loin. Attends, je vais voir un peu c'est quoi les trucs. Aide. À l'œil, effet. Un bloc laissé au Gégadon pendant 3 tours à souffle Fire Witch. Ok. Mogla, guérison. Ah, c'est elle. D'accord. Plus 5 par hexagone. Ah ouais. Et soigne la folie. Ah ouais, en plus, on a des états et tout. D'accord. Je sais pas si je tente. Parce que je pourrais tenter de le. Plus tenter lui. Lui, c'est le truc le plus chiant. Donc autant battre le truc le plus chiant tout de suite. Même si je perds mon unité, ça fait rien. Vas-y, let's go. Vas-y, let's go. Balance les disques. Ah ouais, mais j'ai plus de pouvoir. J'ai plus de pouvoir. J'ai plus de pouvoir. Par contre, il est lourd. Mais pourquoi je suis lourd d'un coup? C'est quoi ça? Pourquoi j'étais super lourd d'un coup? Mon gars ne bougeait plus, il faisait du surplace. Et pourtant j'étais à fond sur la touche. J'ai pas compris. J'ai perdu mon unité pour rien là. C'est à cause du dire de l'aile. Ah putain, il y a des pouvoirs. Attends, c'est ça? Attends, vas-y, je vais voir. Le fouet. Le laquais affiche et ralentit l'ennemi. Merde. Putain, j'aurais su. Si j'aurais su, je l'aurais pas pris comme ça. Bah fallait le savoir. Je l'ai pas su. Bah, je vais jouer stratégique. Est-ce que je peux. Il y a quoi comme. Ah là, c'était destruction. Ça, c'est pas bien, ça. Bah, si, c'est bien, mais. Dans l'absolu, pas bien. La surcharge, c'est quoi?
40. Fournir un allié à un niveau de vie et d'énergie de 150, mais l'allié meurt d'épuisement au bout de 3 tours. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien et c'est pas un bon sort. Téléportation, ça me sert à rien. Régénération, je peux pas. Missile, je peux tuer. Ah oui, je peux. On peut tuer jusque-là. Donc, attends. Bah, je vais jouer stratégique et je vais buter les ennemis à la... Boum. Quoique, j'étais trop con. J'aurais dû peut-être toucher sa soigneuse pour être bien. Par contre, il m'a pas attaqué. Je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant qu'il m'a pas attaqué. Et là, elle fait quoi? Ah putain, allez, let's go. Va essayer de me buter et tout. Si, j'ai vraiment pas beaucoup. Je fais destruction comme ça, let's go. Ça va. Ça va le truc. On ne dira rien, mais bizarre comme cri, madame. Très bizarre, madame. Ah, pourquoi il y a un nouveau combat? Pourquoi il y a un nouveau combat? Bon, j'ai gagné, mais j'ai pas vu. Ok, c'est gagné. Bah, j'ai buté les deux en même temps. Ok. J'étais d'ailleurs, j'étais en train de regarder les messages comme d'hab. On en m'en envoie plein. Donc, je me suis dit, ouais, c'est bon. Ah, bah, bien. Par contre, repli stratégique. Là, repli stratégique. Avec une unité en plus, d'accord. Bah là, hop, je vais pouvoir me soigner. Let's go. Donc ça, c'est bien. Là, on joue mieux. On joue mieux que la fois d'avant. Parce que la fois d'avant, c'est terrible. Je vais buter. Ah là, j'ai tué son unité soigneuse. Donc ça, c'est bien. Donc là, je vais tuer ce truc-là. Comme ça, on est bien. Est-ce qu'il va se fusionner ou pas? Allez, let's go! Il fait quoi? Il va se fusionner aussi. Allez, échec. C'est bien. Et là, on a quoi? Je sais pas si dans la version... Encore une fois, je me pose des questions sur la version japonaise, comment elle est. Parce que, est-ce qu'il y a vraiment le même délire avec... vraiment le même délire en mode, oui, alors il y a ça qui fonctionne comme ça, il y a ça qui fonctionne comme ça. Je sais pas du tout. Donc, hop. Et si je fais ça? C'est surcharge, c'est ça. L'unité meurt au bout de 3 tours. Okay. Je pense qu'on va... Ne sachant pas s'il va résister à l'assaut de quelqu'un, on va lui donner maximum de pouvoir. Guerrier surchargé. Ok, let's go. Donc je vais tenter de buter le rhinocéros. Ah lui, il arrête pas aussi. Mais forcément, il va gagner. Hein. Il va gagner avec juste un truc pourri. Mais regarde, il y en a 4. Et il va faire ça tout le temps. Ah mais c'est de la merde aussi. Le gars, il peut me buter facilement. Il a juste à faire ça, boum. Bon, par contre, c'est moi qui vais le tuer, hein, facilement. Voilà. Ah, par contre, faut quand même jouer un peu stratégique. Ça, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Exactement comment on fait. Il faut juste appuyer sur quelle touche pour le buter. Rond. Il me semblait que c'était rond, mais j'appuie sur les trois touches du bas, donc je sais pas ce qu'on fait. Donc on y va, mais on est bien. Ok. Soignons-nous. Soignons-nous parce que je veux impérativement. C'est le kamikaze, mais c'est pas facile à utiliser. C'est vrai, c'est ça? Kamikaze, un tir fait 70 de dégâts. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, je peux me mettre là. Est-ce que je peux me mettre là? Ah, vous pouvez pas atterrir dans l'eau. Ah, mince. J'aurais voulu hein, qu'il atterrisse dans l'eau, puis là, pouf, let's go. Mais non, malheureusement, non, ça fonctionne pas. Je vais au moins tuer son tank le plus vite possible. Putain, il faut orienter son tir et tout. Ah ouais, mais non, mais faut que je... Comme tu m'as dit, faut que je retourne sur la terre ferme. Invincible. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, en fait. Ah, par contre, c'est pas bien, ça. Le gars, il peut faire... Un rhinocéros, ça fait pas ça comme saut, mais ça fait rien.
Parce que là, je peux tellement rester dans les airs, il est bloqué. Oh, c'est trop bien. Vas-y, viens vers là. Il m'a buté. Sérieusement, il m'a buté. Et Kamikaze, j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Hein. Le truc, il voulait dans tous les sens. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Par contre, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir faire boum. Terrain d'essai, bombe nucléaire. Boum, toi, t'es morte. Salut à toi, Kuja, t'arrives pile pour un... Pour un petit... comment ça s'appelle Unholy War sur PlayStation. Très bien. Pas mal du tout, en vrai. C'est vraiment pas mal du tout. C'est bien pensé. Le jeu est vachement canon. Même si ça reste... Encore une fois, ça reste vraiment du jeu de stratégie assez terre-à-terre, classique de cette époque-là. Mais bien je suis vachement étonné de la qualité du truc. Parce que ça, ça a à la fois effectivement un jeu de baston, classique comme tu en, on en a vu 50 000, mais à la fois aussi. Mais aussi un jeu de stratégie classique que tu pourrais voir de cette époque-là. Même techniquement, le jeu, ça va. C'est moi qui mort ? Ah oui, c'est moi qui mort. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment je suis mort là-dessus, mais pourquoi pas. En tout cas, je lui fais bobo. Sélectionner un combattant. Ah oui, il te demande si tu veux... Oui, bah oui. En même temps, 98, ouais, non, le pauvre jeu, ouais, non, on est d'accord que 98... Il y avait pas mal de trucs, hein. Kuja qui vient d'offrir 2 abonnements, merci beaucoup Kuja. Et t'as, en plus t'as fait abonner Katana Max et French Kun, bah voilà, des gens qui viennent souvent, donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. C'est cool. Et énormément de merci pour eux, hein. Vraiment, c'est très très cool et c'est sympa, c'est très sympa. Par contre je vais remettre mon unité là, parce que bon, j'ai toujours ma soigneuse. Ah par contre j'ai beaucoup moins. Il faut... Temps de réflexion. Ah, j'ai pas pu faire ça. Parce que là, ils vont se fusionner, hein. On est d'accord. Échec de la prod, ça va. Après, j'ai le... Alors, j'ai quoi? J'ai le robot. Ma soigneuse. Non, il y a moyen, hein. J'ai testé un God Game sur PlayStation 1. Mon Dieu, c'est-à-dire... Il y a un petit gluant sur... Mais oui, les abonnements, c'est toujours un gluant. Ça peut être partie de l'équipe. Par contre, ça, c'est chiant. Il va me buter. Parce que le truc, il te chope. Je sais pas comment on fait pour... J'appuie sur tous les boutons et tout, mais ça ne fonctionne pas. Donc... La sauvegarde prenait 15 blocs. Mais en fait, il prend ta carte mémoire, quoi. Il prend ta carte mémoire. Autant le dire tout de suite, quoi. Est-ce que vous avez une carte mémoire de libre? Putain, ça, c'est chiant. J'arrive pas à m'échapper. Alors elle ressemble à ça. Oh, elle est moche. Putain, c'est quoi les épaules? C'est quoi ses ailes en fait? C'est trop moche. Ok, attends. On se régène. Je me régène moi-même. Ok. Et les chargements durés. C'est quoi? Il y a Civilization 2 hein, sur PlayStation. Je tiens à le préciser une nouvelle fois, mais... C'est ça? C'est Civilization? On va faire ça comme ça. Boum. Comme ça, il va vouloir m'attaquer. Attaque-moi. Non, échec de la ponte, il va faire... Ah non, il peut pas, donc là il va bouger. Bah il m'attaque. Je parle de Populous The Beginning, je connais pas. Bah Populous si, je connais, mais sur PlayStation, non. Populous c'est sur DS que j'y ai joué. Qui est très particulier. Je sais pas comment on fait pour l'esquiver, ça c'est chiant. Je suis mort. Non, sérieusement, je vais mourir là-dessus. Non. S'il y a de la vie. Non. Il y a de la vie, mais j'aurai pas. Je l'aurai pas parce qu'il faut aller tout en face. Putain. C'est terrible, quoi. Au plus, sur PlayStation 1, il était excellent. Bah, c'est le moment de le découvrir. Malheureusement, ça vieillit. Hein. C'est le problème. C'est peut-être ça qui me dérange le plus. Enfin, il y a la vie est là. D'accord. C'est lui ou moi? C'est lui, c'est moi.
J'ai perdu. Putain, j'étais loin en plus, j'avais presque fini la carte. Mais ce truc, il arrête pas de se scinder en deux, là. C'est trop chiant. Bah, on recommence. De toute façon, c'est une découverte, hein, donc... ça va, mais bon. Allez, on recommence. 15 blocs, la sauvegarde. Y a pas... Non, c'est pas Gran Turismo qui prend autant aussi de place. Déjà à l'époque c'était chaud, ah bah je me doute hein. Moi Popolus quand je l'ai fait, j'ai fait ah ouais c'est ça, c'est... Ah, c'est vieillot hein, c'est vachement vieillot. Je préfère y jouer au Settlers ou à Anno 1641, mais bon. Chacun verra midi à sa porte, hein, comme d'habitude. C'est parce que, encore une fois, je suis peut-être trop jeune pour avoir connu tout ça, mais... Et surtout quand t'as joué à Age of Empires, oui non, c'est le genre de jeu... Tu reviens quasiment plus. Mais à l'époque, je présume qu'il devait être génial, hein. Ça devait être un putain de jeu et tout, exceptionnel et tout, mais... Excusez-moi. Je suis un petit jeune, c'est pas de ma génération. Donc alors ça, c'est bien. Je pourrais faire boum. Voilà, bombe nucléaire. Là maintenant, lui c'est téléportation. Destruction, c'est pas mal. Mur tranchant, c'est quoi déjà? Seules les races infâmes peuvent rentrer dans un hexagone pendant 3 tours. Ça, c'est pas mal pour bloquer un truc d'or. Mon truc de régène. Mon truc de régène, je vais me mettre là au centre. Et lui. On fait passer. On va essayer de... Il y en a un qui arrive vers moi. Vas-y, viens vers moi. Combat? Non, pas de combat. Combat, mais par contre, il s'enfuit. Il s'enfuit, il veut pas me combattre. Donc... Oui, non, mais... Anno, oui. Non, mais Anno... c'est très très bien, tu vois. Ça n'a rien à voir, mais... c'est le jour et la nuit entre les deux jeux, mais bon. Je sais plus c'est quoi, ses pouvoirs. Ah, on peut pas savoir ses pouvoirs. C'est quoi les petits trucs qu'il envoie là? Putain, il fait très très mal! Je suis mort. Je suis mort à tous les coups quoi. Attends, tu peux envoyer des oiseaux? C'est ça que j'envoie? Il y a de la vie, il y a de la vie, quand il y a de la vie. Nice. Là, je peux buter son cul! Viens ici! Je prends ton cul! C'est quoi qu'il envoie là? Dirait des anneaux, mais... Ah, c'est ça! Ah, c'est nul. C'est nul. Oh, yes! Oh, putain, j'ai flippé, mais c'est gagné. Par contre, je sais plus s'il y a une unité à côté. Il y a une unité à côté. Eh, merde, eh, merde. Va me foncer dessus, c'est mort. Voilà, bah ouais, c'était mort. Forcément, le truc... dans les airs. Donc forcément... au moins, je sais retraite, hein, s'il me demande... Ok. Par contre, il lui reste combien? 15, ok. Non, 35. 35 bombes nucléaires, boum, dans ta gueule. Ça fait... beaucoup. C'est qui cette soigneuse? C'est ça, c'est elle sa soigneuse. Ok. Je vais. Ah, vas-y. C'est juste deux si à lui envoyer dans la gueule et boum, ça passe. On dirait Cinder de Killer Instinct. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Killer Instinct pour le coup. Ou Arstak, bien sûr. Killer Arstak, mon dieu. Allez, viens vers moi. Attends, j'aime trop le robot comme ça, parce que c'est si circulaire, font très mal, ça fait 10 à chaque fois, et cool. Je n'y pensais, mais vraiment, Killer Instinct, ça fait un bail que j'ai pas joué. Ça fait un super bail que j'ai pas joué. Je trouve que c'était assez technique par moment, donc... Pour faire les gros combos et tout de folie, ouais, non, il fallait vraiment s'accrocher. Mais après, voilà, c'était plutôt pas mal hein, pour l'époque.
Si t'avais connu Donkey Kong Country, ouais, c'était la folie. Hein. Bah là, il pourra jamais te buter, en fait, je viens d'y penser. Attends, on va faire ça comme ça. Et il pond des œufs. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh, bah... D'accord. D'accord, ok. Ok, là, d'accord. Le truc de missile, là, comme tu dis, c'est faut t'appuies juste sur triangle et tu voles. D'accord, j'ai compris le délire. Par contre, il a fait retraite. Donc, je pense qu'il a compris que le jeu, c'est bon. Je sais maîtriser. Je sais ce qu'il faut faire. T'es mort maintenant. T'es 100% mort. Les ultra combos, la base. Ouais, non, mais. Les trucs, ils demandaient mais des combinaisons de touches. Tu disais déjà que Street Fighter, c'était compliqué, mais alors. Putain, le Killer Instinct, il demande mais des trucs de folie. Il fallait jamais t'arrêter. C'était. En gros, t'avais ta manette, tu faisais ça, quoi. Ça marchait, c'était pas mal. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui jouaient vraiment très très bien et tu tombais par terre. Mais disons-le clairement, combien de gens jouaient vraiment sérieusement à Killer Instinct ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est comme Mortal Kombat. Mortal Kombat, il y a beaucoup de gens qui adorent. Pas grand monde le maîtrise. C'était plutôt bien réussi. J'ai pas fait. Je sais, c'est le Killer Instinct de Gold, évidemment, je connais, mais jamais fait. L'émulation 64, encore une fois. J'aimerais bien jouer avec ma vraie 64 et tout, le problème c'est que. J'ai pas une bonne manette. Ah, il s'est soigné. Qui est à 25 hein, quand même. Hein. Et là, ça attaque. Ah, mon robot. Le robot. Je sais plus, il y a quoi comme attaque. J'ai déjà oublié. J'ai déjà, à chaque fois, j'oublie. Allez, les si. Ah. Putain, allez, viens vers moi. Viens prendre ta scie. Allez, prends ta scie. Mais le truc, il fuit. Ah, ah, pouvoir. C'est quoi ça là-bas? Je suis où? Je suis là-bas. Je vais complètement oublier où j'étais, mais ça fait rien. Oh, de la vie. Ah, c'est bon, je lui pète le cul, c'est gagné. Mais c'est parce que j'étais en Energize, hein. Si j'aurais pas été comme ça, t'es mort. C'est moi où c'est facile, là, d'un coup, j'ai tué quasiment tout le monde. Parce que j'ai perdu deux fois la map, et là, d'un coup, c'est tout gagné. C'est bizarre, non? Il reste plus que lui, hein, on est d'accord, j'ai pas rêvé. Mais c'était bidon, le match, là, il était nul. Il reste plus qu'une seule unité. Ah ouais? Non mais. Pourtant j'ai rien fait de plus spécial. Ah ouais mais c'est le gars qui fait son hurlement là. Non, truc bizarre sur PlayStation 1, c'est Final Fantasy 4, mais t'as aussi Final Fantasy 6 et 5 hein, sur PlayStation 1. J'avais Final Fantasy 6 quand j'étais plus jeune. Où il est passé? Sûrement à la poubelle. J'étais pas soigné de mes affaires. Mais je me souviens que j'avais la boîte, j'avais même donné la démo à un de mes copains qui avait la PlayStation 2 et... Bah voilà, ouais, victoire impressionnante, bah effectivement, même moi je suis un peu sur le cul, je me dis ouais, quand même. Ça c'était avant, bah bref. C'était avant, c'était l'époque où j'étais curieux. Les jeux que je l'avais acheté genre même pas 5€ en brocante, toi c'était une misère. Aujourd'hui Final Fantasy 6 sur PlayStation 1... Je te recommande pas d'aller voir les prix, hein. Tu vas pleurer. Hein. Tu vas pleurer. Alors, dans les Jaegers, ont été découverts par les premiers explorateurs Technos. Les anciens robots de guerre ont été désactivés et encavés dans la roche solide d'une lune sans vie. Ranimés et réprogrammés, les Jaegers ratissent à présent les terres désolées, encerclant les nations Technos, traquant et détruisant toute forme de vie native. Alors, il y a un truc, je viens de tilter seulement maintenant, mais... Le jeu est très bien, il a pas mal de qualité, il est top et tout, mais c'est pas un peu toujours la même chose là, c'est pas un peu redondant, parce que là on a déjà fait le tour en fait, on a déjà fait le tour du jeu en même pas une heure et demie. Et ça me est-ce qu'on se fait pas, vas-y, est-ce qu'on se ferait pas la version japonaise juste après, là même pas dans, juste après cette map là, parce que j'ai pas loin à aller, hein. J'ai juste à aller chercher mon graveur, let's go on le fait, hein. Pour voir la différence entre les deux. Hein. Parce que là, on va voir. Oh, là, c'est vraiment. On va faire ça, on fait ça, et puis let's go. J'accepte ça. Let's go.
Let's go, parce que ouais, là. C'est fou, le jeu il est génial. En vrai, je trouve qu'il est super original. Parce que c'est à la fois du RTS comme j'aime bien, donc par quadrillage et tout. Puis à côté, il y a. Non, non, c'est pas comme je veux, attention. Je demande surtout à Benjamin, c'est ça, c'est son jeu, c'est ses piécettes et tout, donc. De toute façon, c'est le même jeu. C'est le même jeu qu'on va faire, mais dans un style totalement différent. Donc, j'en dis pas plus. Donc, scénario 3, Grand Désert. Les deux fabricants. Tu as une base pour construire des unités. Ah ouais, on a. Ah oui! Ah oui, attends. Les deux fabricants ont construit une forteresse dans les autres fortes falaises. C'est des mines de sol à extraire l'or disponible, puis créer. Ah, il faut que j'ai. Faut que j'ai quand même toutes les bases pour pouvoir jouer à la version japonaise. Parce que si j'ai pas ça. Ça laisse tomber. Donc autant ouais, autant qu'on fasse tout tout tout, puis après on regarde la version japonaise. Parce que je savais pas ce qu'il y avait avant. Donc là maintenant ok. Premier conseil, les unités Tesla sont actuellement indisponibles car elles procèdent à leur rite semi-annuel de réisolation. Deuxième conseil, toute unité ennemie pénétrant dans votre forteresse les détruira immédiatement. Les forteresses Arcane ont les mêmes faiblesses. Profitez-en. Okay. Donc non. On fait la version japonaise au moment où c'est bon, j'ai toutes les bases, j'ai absolument tout pour pouvoir jouer correctement au jeu. Parce que si je peux pas le faire, c'est laisse tomber. Surtout que j'ai pas la traduction, donc ça va être chaud. Il y a une si grande différence entre la version japonaise et la version occidentale. Bah écoute, quand tu vas la voir tout à l'heure, tu vas te dire, ah oui non, il s'est passé un truc là. Ils sont où les robots? Ils sont où les méchants et tout? Alors par contre, comment ça fonctionne? Forteresse. Acheter. Ah, on peut acheter. On peut acheter Quicksilver, Tesla, Kikli, Jagger, Mantis, Razor Fane. Parce que. Attends, parce que. Est-ce qu'il y a de l'or? Oui, il y a de l'or. Ok, d'accord. Parce que la version japonaise, vous allez voir, le jeu fonctionne quasiment de la même façon. Il y a juste quelques trucs qui ont complètement changé. C'est pour ça que je préfère faire la version, celle-là, occidentale d'abord, que j'ai les bases, que je comprenne absolument tout. Pour après me dire, ok, je peux faire la version Jap, y a pas de problème. Parce que ça va jouer, je suppose, quasiment de la même façon. Donc, tu veux dire que la version occidentale est censurée. C'est même pas ça! Ça n'a rien à voir! C'est. En gros, comment expliquer ça? La version japonaise, quand elle est partie au Japon, là-bas, ils ont pas compris le délire de robots, de machin et tout. Ils voulaient faire quelque chose de beaucoup plus mignon. Et t'as Bandai qui s'est mis dans l'opération. Et Bandai s'est dit non, mais vous inquiétez pas, on va trouver un truc. Vous voyez les filles de la Toei? Ah, les animés des années 70, c'était cool. Bah faites-nous la même chose, mais avec ça. Et du coup, vous allez voir juste après, plein de jeunes filles. Donc ça va être très très cool. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Là, c'est la version la plus mature, la plus conventionnelle, on va dire. Que l'autre. L'autre, ouais, non, c'est vraiment mon petit plaisir perso. Et pas là. Ça, je te dis, ça n'a rien à voir. Mais c'est marrant. Est-ce que je peux faire bombe nucléaire? Ouais, bombe nucléaire, boum. Personne n'aura la case du milieu. Elle est pour moi. Est-ce qu'il faut. Je sais plus c'est quoi cette unité-là. J'ai déjà oublié. Ah, grande question. Alors, grande question. Ah ouais, les différences, c'est surtout la différence de culture entre les deux. Mais on va voir ça juste après. Est-ce que je peux. On peut pas bouger? On peut pas bouger. D'accord, parce que je me posais la question, c'est quand même bizarre. Je peux pas faire quoi que ce soit. Comment est-ce que je vais faire? C'est ça. Pour gagner de l'or. Et je vais aller par là. Mais là, ouais, la grosse différence de culture, tu vas voir, c'est marrant, c'est rigolo. Tu peux bouger l'unité de la forteresse. Mais mon. Attends, on fait comment alors? Parce qu'il m'a. Il veut pas, hein. Moi, mon unité, elle ne bouge pas là. Comme ça? Non, il veut pas, hein. Là, j'ai mon unité, ça bouge pas du tout. Carré. Supprimer. Ah ouais! Ah, oh, putain, j'aurais su, je l'aurais fait avant. Vous pouvez pas. Ah non, on peut pas. Oh non, on peut pas. Je peux pas la bouger. J'ai failli faire une bêtise aussi. Hein. J'ai vu le truc, j'ai fait. Non, on touche à rien. On touche à rien, je ne supprime pas. Je supprime rien. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire.
Et bah passe. J'ai déjà perdu une unité. Par contre, ouais, il faut que je gagne de l'or. Parce que sinon, je vais être dans la merde. Donc là, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'or. Regarde, allez, bim, le truc qui peut fusionner. Comme par hasard. Le truc bien relou sa mère. Non, ça serait pas marrant. Donc là, ok. Bon, mon Spears va aller là. Et... va sur la forteresse, appuie sur carré, joueur. N'arrive pas. Je peux pas bouger. Je... à déplacer. Ah putain, si on pouvait le déplacer. Alors en fait, fallait appuyer sur carré, puis après déplacer. Oh, c'est toute une manipulation. C'est vraiment toute une manipulation, mais... Ah, j'aurais su... Non, je peux pas recommencer. Bah si je meurs, on recommencera, mais... je mettrai mon unité là. Celle-là, je la mettrai peut-être... peut-être pas au centre, mais au moins là. Pour dire de soigner tout autour. Puis après, let's go. J'aurais su... Bah, j'ai perdu un gros tour. On va passer. Donc là, il me faut de l'or. Il me faut de l'or. J'ai pas le choix. Est-ce que je peux acheter des Quicksilver, des Tess... Tesla, c'est cool. Tesla, c'est cool. Quoique le... Ah, le robot, il peut être bien. Le robot comme ça, un Jagger, c'est... Ah, ou un Mantis. Je sais, je gagne combien... Alors, c'est simple. Ça va être très simple. Je gagne combien d'or par partie? J'en avais 100 pour l'instant. Imaginons que je passe un tour. Lui, il y va. En tout cas, il prend les unités, il n'y a pas de problème. Hein. Let's go. J'ai gagné. Je gagne 50 d'or par machin. Ok, donc là, je vais prendre un Mantis. Je vais le mettre là. Et le Mantis. Let's go. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais... peut-être y aller avec le Jagger. C'est pas mon deal, hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Je vais essayer de mettre mon Jagger en plein milieu de la map. C'est clairement pas ce qu'il faut faire, mais... qui ne tente rien n'a rien. Et on gagne, c'est ça, c'est 25-30 d'unités par machin récupéré. Hein. De ce que j'ai compris, hein, de ce que je vois. Parce que là, si je récupère les ors au milieu de la map, ça pourrait être génial. Genre là, est-ce que je peux y aller jusqu'à elle? Oh oui, je peux aller jusqu'à elle. Ou je peux aller jusque... Non, moi, je peux aller jusqu'à elle. Je vais aller buter ça. Je vais lui prendre sa place. Et comme ça, let's go. Vas-y, bute-la. C'est gagné. Allez, let's go. C'est moi qui prends la place. Ok. Donc le robot, il est dégueulasse. J'arrive pas à savoir. Il a un canon. Il a un deuxième... une tourelle. Ah, j'ai pris sa place. Très bien. Donc là, je peux acheter... J'avais dit 80, c'était pour ça. Parce qu'un robot comme ça, ça me permet tellement de voler et de pouvoir aller vite aux différentes unités. Donc là, let's go. Et le Mantis, il avance. Donc on est bien. On est vachement bien. Donc là, il perd de l'or. Il est dans la merde. Mais t'inquiète pas, je vais bien gérer. Surtout que si je prends mon canon, que je bute elle. Donc là, par contre, il faut y aller. Il faut vraiment y aller à fond. Bute là. Touche là. Oui. Vas-y, bute là. Ça serait génial si je gagne. Allez, 10. Let's go. 10, c'est pas mal. Parce que là, je vais prendre mon gars. Je lui fonce dessus. T'es mort. À moins qu'elle se régène. Et auquel cas, je vais être un peu dans la merde. Mais, si tu fais, tu te régènes. Ah, elle se régène, bien sûr. 25 de points, ça fait rien. Oui, j'allais dire, il n'y avait pas ça. Si, il y a ça. Ah, elle s'en va. Ah ouais, d'accord, elle s'en va. Bah, pourquoi pas. Sauf que moi, balèque de ce truc-là, moi, je vais tuer Andrea. Ça s'appelle comme ça, donc let's go.
Donc là, normalement, ça devrait bien le faire, juste en jouant comme un gogol. Voilà, je joue comme un gogol. Voilà, c'est gagné. C'est gagné, juste en jouant comme un gogol. Faudra juste que quand le gars, son lézard va venir m'attaquer, je me mets au sol, j'attends, et hop, je décolle, j'utilise mes mines. Comme ça, il en prend plein la gueule et je peux partir. Donc ça, c'est bon. Ah, j'allais dire, je joue. Ah! Ah non! Ah non, 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 non. Je peux pas faire ça. Parce que je présume que son lézard peut tuer ma base. S'il y a pas quelqu'un dedans, c'est ça. On est d'accord que s'il y a personne, je suis mort. Par contre, lui, il peut plus rien faire. De toute façon. Et oui, c'est ça. Je vais prendre mon. Dans le doute. Dis bien dans le doute, je vais faire ça. Après, je réfléchis. 65, il peut rien appeler parce qu'il n'y a pas assez d'or. Voilà, c'est vraiment plus jeu stratégique. Hein. Là, 100%, il n'y a pas de problème. Je vous avais dit. Allez, hop, vous savez ce que je vais faire. J'attends d'être à fond, puis je m'enfuis pas, je vole. Je vole, puis. T'es mort. T'es 100% mort, mon gars. T'es 100% mort, mon gars. Par contre, il faut que je retourne au sol pour me régène. Voilà, puis après. Là, il faut que j'aille au sol. Vas-y, va au sol. Par contre, dès qu'il est au sol, il va vite. Il va très très vite et. Et effectivement, pour viser, c'est un peu la galère. Ah, speed, putain. C'est vraiment du speed, comment? Et c'est lui qui va vite ou pas? Ouais, c'est lui qui va vite, hein. Je dirais, hein. La santé. Pour la santé. Faut que je sois en vol stationnaire. Presque ce vol stationnaire pour bien le toucher. Aïe, 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 aïe. Meurs, 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 meurs. C'est quoi ça? Je crois que c'est du speed. J'ai un énorme doute. Ma bite. Ah oh, oui! Ah oui, le speed, ça speed vraiment! Je faisais là. Ouais, non, c'est peut-être un petit speed. Ah non, le truc, il. Ah oui! Le truc, il a. Ah oui, le truc, il a choix. Mon gars, il fait up comme ça d'un seul coup. Ah oui! Ah oui, c'est des connes zéro. Bon, par contre, c'est gagné. C'est gagné, donc je suis bien. J'ai gardé mon unité en place. Je vais pouvoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma. On dirait une Valkyrie en fait. Ça fait. Ouais, non, ça fait plaisir là pour le coup. Donc, joueur, déplacé. Je vais essayer d'aller le soigner. C'est un peu loin, mais on prend le risque. Et là, je vais mettre. Tesla, il veut pas. Quicksilver, c'est de la merde. Je. Ah, Razorfran. On va voir ça, bien sûr. Coup 100, et je vais le mettre là, en défense. Et Mantis, il peut y aller. Let's go, mur tranchant je peux pas, surcharge je peux pas, joueur, mur tranchant c'est non, bah, c'est le même, c'est 100% le même, régénération, je sais plus, il peut bouger de combien de cases ça? Parce que si, ah bah non j'ai pas assez d'or, bon, de toute façon j'ai de la merde, j'ai pas assez d'or pour, parce que sinon j'aurais fait autodestruction, ça m'aurait permis potentiellement de pouvoir gérer, mais non laisse tomber. Allez, va se scinder en deux. Non, il avance. Ah ouais. On n'aurait pas fait ça. 50 d'or. Ah, quoique. Quoique, 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 quoique. On régène mon unité. Boum. Je vais faire ça comme ça. Et pour rentabiliser mon or à genre à 2 milliards de pourcents, je vais faire joueur, déplacer. Une case comme ça, je suis sur l'or. Comme ça, je vais gagner encore plus d'or. Je pourrais faire encore plus d'unités. Et bah dans son cul, quoi. Je suis mort. L'unité, elle est KO. Quoique, je vais peut-être le battre, en vrai. Ah, plus c'est là. Alors, j'essaie de comprendre c'est quoi ces. C'est.
Ah, c'est chiant ça, j'arrive pas. Faut vraiment que je le bute. Allez, vol. Non, le pouvoir, il a pris la vie, et je suis mort, et je sais pas si je... Ouais, si je peux gérer, en vrai. Allez, let's go. Allez, hop. Meurs. Ah, je vais mourir. Le truc est sur moi. Il a gagné. Il a gagné, putain de merde. Là, par contre, j'ai mal joué, donc j'ai perdu bêtement mon truc. Mais j'étais vénère, ce machin. D'habitude, il meurt en deux coups, là, non, loul. Bah là, il va prendre l'or. Bien sûr qu'il va aller prendre l'or. Forcément. Donc, je vais... Alors. Unité, comme ça, va là-bas. Je vais acheter... une unité qui va bien. Ah, comme ça, bah, je reprends le même. Je fais joueur. Déplacer. Je vais là. Et mon Mantis, il peut avancer vers le prochain or. Je sais pas s'il va rajouter. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'unités. Ah bah il y a aussi, il y a beaucoup d'unités maintenant. Mais il arrête pas de prendre ça, c'est chiant en plus. Le truc qui peut se démultiplier, c'est trop relou, putain. C'est chiant. Trop chiant. Allez, let's go. Allez, regarde. Ah non, c'est bon. C'est bon. J'ai rien dit. Par contre, moi je vais prendre. Hop. Je prends l'or. Je me mets là en défense. Je. Reste là pour l'attendre. Là, c'est quoi? C'est surcharge. Et l'autre, c'est mur tranchant. Ok. Et on va passer. Donc là, je présume qu'il va essayer de se démultiplier. Hein. Non, il fait un repli. Ah ouais. Petit repli stratégique. Allez, hop. Ouf. Ça va. Le prochain, il va ici. D'accord. J'ai 120 d'or. Prendre quoi? Je voudrais bien me reprendre un Jagger. Vas-y, on va économiser pour le Jagger, en vrai. Et je vais aller là, pour aller buter son... Maquel plaisir, bien sûr. C'est quelle map? Une map sympa. Oh, c'est la map désert. Ah, quoique... Oh, regarde, il court. Mais pourquoi il court? Pourquoi il courait? C'est pas compris, le gars, il était full, hein. Il était full en énergie et tout, mais... Tu vas avoir deux ennemis. Bah non, il y en a qu'un. T'as vu, il a pas voulu jouer. Let's go. C'est bizarre, ouais. Mais par moment, il veut pas. C'est chelou, quand même. C'est chelou. Mais bizarre, le gars, il m'a pas poursuivi du tout. Mais là, il fait repli stratégique, je comprends pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il essaye d'en avoir plein pour m'emmerder? Parce que si c'est le cas, ça marche. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, acheter Jagger, boum, placer là. Je vais pouvoir aller loin avec lui. Je peux même prendre une autre unité. Vas-y, let's go, je suis riche. Et je vais prendre ça, comme ça je vais pouvoir les buter plus facilement. Et là, comme ça, let's go. Donc là, j'ai plein d'unités. J'ai plein de machins. Et on passe. Je suis en force sur la map. Il peut difficilement me toucher et tout. Et on est bien. Vachement bien. Allez, let's go. Il y en a 4. Avec 4 gars. Ah, il peut passer. Il y a 5! Non, mais il a 5 gars! Avec le... Tu peux bloquer avec les Razor Fan. Bah écoute, ouais, c'est vrai. Mais j'essaie de bien faire les choses en vrai. J'essaie vraiment de bien faire les choses. D'avoir un maximum d'unités. Plein de machins et tout. Je vais peut-être me mettre une soigneuse en vrai. Là, je suis riche. Je suis vraiment riche. Donc, je peux me permettre. Et déplacer. Je vais aller
hop, jusque là-bas. Comme ça, on est en ombre. Lui, il a que ses petites merdes, en fait. Il a que ses petites merdes, mais qui se reproduisent à la vitesse de lumière, donc... Allez, let's go, regarde. Aloul ! Allez, il y en a 6, hein. Il y a 6 gars tués. Au secours ! Non, tu peux pas passer. Ah si, tu peux passer. Au secours, il y en a 6. Et moi, je vais prendre un... Comment ça s'appelle ? J'aime bien les... Mantis. Ah, peut-être, je vais... Non, vas-y, un Razor Fan, en vrai. Excusez-moi, il y a un perso que j'aime bien, je le prends à fond. Je l'utilise tout le temps. C'est bon. Mais voilà, quand on aime, on compte pas. Et là, je vais utiliser mon unité. Et je vais me mettre comme ça, hop, en renfort, à côté de mes camarades. Parce que lui il a que ça. Hein. Il y a que les petits trucs bleus. Hein. Donc il est pas dans la merde. Donc j'imagine bien que s'il me met contre moi, je dois tuer les 3 d'un coup. Les 4 d'un coup. Allez, les 5 d'un coup. Putain, si je dois les combattre, je dois affronter 5 d'un coup. C'est trop chaud. C'est vraiment très chaud, même. Comment faire? En vrai, hey, regarde-le. Je vais aller comme ça. Je vais essayer d'aller direct à la forteresse. Comme ça, on économise du temps. Je réfléchis parce qu'en vrai on est bien, hein. On est vachement bien, le truc c'est que comment je les prends, parce que là je vais enchaîner avec tous les combats en fait, je vais enchaîner avec que des combats et... Je vais faire un truc qu'il faut pas. On va faire ça. Parce que je vais être avec... si je le tue, derrière j'aurai mon machin, derrière j'aurai ma Valkyrie. Donc j'aurai 3... Regarde en plus, je l'ai mis. Facilement, je dis. Facilement. Ok, battu 1 en moins. Ah, par contre, ouais, mon truc, il a du mal. Hein. Nouveau combat. Ah, il n'y a que 28. Ah bah c'est bon. Ah, il m'a battu! Oh non, mais ça, c'est de la bite, ça! Mais non, mais j'étais dessus! Bah, de toute façon, je m'en fous, j'ai mon machin derrière. Boum! Ah bah non! Ah bah non! Ah, ça fonctionne pas comme ça! J'ai pas compris. J'ai combattu lui. Il a sacrifié une de ses unités pour avoir un truc de feu. Bah Balek. Ou Balek, parce que j'ai trop d'argent. J'ai trop d'argent, je peux faire ce que je veux. Et là, bah... On vole, hein. Alors, attends. Ah putain, les trucs volants. Ça va être terrible. Combat volant. Attends, si je peux faire ça? Oh, je peux faire ça! Il a eu bobo là, le truc! Il a eu bobo le truc, je l'ai dégommé, j'ai pas compris. Je pense en fait qu'elle était près de mon missile. Ça l'a dû lui toucher, et le temps qu'elle touche le sol, boum. C'était bien, non? Franchement, je suis content. Je suis vachement content de ce que j'ai fait. Mais ah, c'est con! T'as vendu une unité pour ça, bah. Comme on dit déjà dans le jargon. Ah ouais, chez mon gars. Et je vais battre elle tout de suite. Allez hop, comme ça je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Et là maintenant... Kaboum. Par contre, il faut que je me pose 5 minutes. Arg. On ne veut pas. Aïe. Invincible, donc non. On n'y va pas.
plus invincible. Donc là maintenant il faut que je me faut que j'arrive à avoir assez de santé pour y aller. Aïe. Ah, c'est vraiment les combats de d'autistes. Hein. Gros combat d'autistes dans les airs. Alors qui c'est qui va aller dans les flammes pour avoir le truc? T'as invincible, donc non, on va éviter. Ah putain, elle a pris... Allez, c'est moi qui ai perdu. Dommage. Dommage, un peu... Elle aurait pas pris la vie, je l'aurais tué et c'était bon. Bon, 6... Je sais pas si avec mon Jagger, je peux l'avoir de loin. Théoriquement, oui, hein. Théoriquement, mon Jagger peut tirer d'aussi loin que ça. Hein. Non. Ça. Ouais, mon Jagger peut le tuer. Hop. Boum. T'es morte quand même. Ciao, mon pote. Y'a quoi, là? Là, y'a 100... Là, il y a ça. Je vais me prendre une unité en plus, en vrai. Hop. Non, on va pas prendre lui pour la troisième fois. Là, on va prendre mon Kill Cycle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup lui aussi. C'est en l'air, ça fait mal. Et j'aime bien le style, en vrai. Mais je me pose quand même la question de commencer la version Jap. Parce que si je vois tout ça, je me dis, mais ils ont dû tellement faire un petit truc et tout avec, et je suis curieux, je suis vachement curieux. Donc on verra ça quand j'aurai fini la partie, qui dure en vrai. Qui dure quand même un sacré temps. Et... Attends, je vais pas prendre une unité comme ça. Par contre, 3 tours, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et je peux le tuer de loin. Option... Ah si, non, j'allais dire, est-ce que je peux le tuer de loin comme ça? Non, ça fonctionnera pas. 15, let's go, vas-y. Ne peut pas détruire une unité de loin quand l'unité est dans une forteresse. Je me posais la question, justement, est-ce que je pouvais le tuer dans la forteresse? Tu m'as même vu là, hésiter, me dire, est-ce que je le tue là? Non. Et par contre, c'est que des échecs. Tout est un échec, comme ma vie. Le gars. Non, ça va. Non, on s'en sort bien, en vrai. Je suis vivant, on va dire ça. On est vivant, c'est déjà le principal. Et on est tellement bien, on a tellement de vie, on a tellement de trucs et tout. Et en fait, il est bloqué. Il est 100% bloqué dans sa base, il peut plus bouger sans avoir affaire à un méga. Et je vais prendre un autre Jagger en vrai. Boom. Donc là, j'ai deux Jaggers, j'ai une Valkyrie, j'ai... des rasers et machin, ouais bon ça va. En fait son game plan c'est quoi là? Il ne peut qu'utiliser son pouvoir là de multiplication et c'est tout. Parce qu'il peut plus rien faire de toute façon donc ok. Ah mais attends, il y a pas d'or récupéré là. J'en ai de l'or moi. Je suis en train de perdre de l'argent et j'aime pas perdre de l'argent. Ah, j'avais dit. Ah merde, j'ai déjà fini. Ah, j'aurais su, j'aurais été un peu plus loin. Est-ce qu'il m'attaque? Attaque-moi! Tu veux pas m'attaquer? Pourquoi tu veux pas m'attaquer? Tu devrais m'attaquer, c'est pas mal de m'attaquer. Tu peux faire des dingueries en plus. Et surtout qu'il protège pas, il protège pas un accès là. C'est bizarre quand même. Est-ce qu'il y a un truc qui arrive? Non, il n'y a pas de truc qui arrive. Allez, l'argent. Je vais pouvoir prendre... allez, Menti, ça fait longtemps aussi. Donc comme ça, let's go. Et après, je vais... En vrai de vrai... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais utiliser ma bombe atomique. Bombe atomique sur... C'est qui va mourir en premier? C'est lui qui va mourir en premier. Allez, 15. Est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce que tu peux m'attaquer enfin, là? Parce qu'il se passe rien, hein. Le gars ne fait que ça. Et surtout que je suis en train d'attaquer de l'autre côté, donc mieux vaut qu'il se dépêche, le monsieur, parce que bon... Sinon, t'es pas dans la merde. Il m'attaque? Allez, il m'attaque. Let's go. Donc, let's go. Je vais utiliser mes bombes. Je vole. Il est trop bizarre, son canon, là. C'est une moto qui ressemble à... Qui ressemble à un requin. Tu peux mourir.
tu meurs pas. Ah, évidemment, je vais être au sol. Ah putain, ça c'est. Ok, ça c'est chiant. Dès qu'il te chope, c'est fini en plus. Ok. Par contre, j'ai perdu beaucoup trop de vie. Beaucoup trop de vie pour ce que c'était. Alors, speed, c'est pas bien dans un niveau comme ça parce que ça va trop vite. Surtout que je dois être précis pour le toucher, donc bah mes couilles. Charge-toi. Je vais mourir. Je vais mourir dans pas si longtemps que ça. Ah putain, elle a pris la vie en plus. Le seul item qui m'était intéressant. Eh ben non. Eh ben non, faut falloir attendre. Est-ce que je peux avoir un invincible? Ah, speed! Mais c'est pas ça que je veux. Speed, c'est trop chiant. Donc là, le gros combat. Gros combat d'autiste. Le truc qui va dans tous les sens. Au secours! Là, il peut me buter. Si je suis trop en vol stationnaire, il peut me buter. Donc c'est pas ce qu'on va faire. J'arrive à le toucher, hein. Mais difficile, je trouve. Difficile, surtout que... Wesh... Ah, c'est du speed. Non, ça, c'est du speed. Ah, ça, c'est de la vie. Ça, c'est de la vie. J'aime la vie. Voilà, là, je peux gérer. Le combat, il dure 1000 ans. Y'a personne qui veut perdre. Est-ce que tu peux prendre au moins mes missiles? Ça serait cool. Ça serait sympa. Allez, je l'ai touché. Ah, j'allais dire, je le touchais pas là, je comprendrais plus rien. Ah, speed. Ok. J'essaie de gérer. Ah putain, j'essaie de gérer, mais c'est fini. C'est fini, j'ai mal géré. J'ai très mal géré, et le truc il voulait pas, il arrêtait pas d'aller dans tous les sens, c'était mort. Par contre, j'ai mon Jagger juste derrière. Hop, Jagger. Par contre, tu vas mourir. Allez, boum dans ton cul. Je sais pas comment on fait. Par contre, je l'ai dégagé, je lui ai donné un gros coup, il a fait bleu. Est-ce qu'il continue ou pas? Oui, tu continues? Non, il continue. Continue pas. Je comprends pas pourquoi il continue pas. Parce qu'il pourrait me buter, hein. Mais non, pas. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben non, il va... Non, il revient en arrière. Je comprends pas pourquoi il veut pas me... Pourquoi il veut pas me tuer? Tu peux utiliser le laser avec le triangle. Ah ouais. Attends, c'est quoi ces attaques? Laser, chaque rayon rapide produit 5 de dommages. Putain, j'aurais su. Le coup de poing, c'est chiant à jouer. La roquette est très bien. Bon, ok, la prochaine fois, j'utiliserai mon laser. Et là-bas, let's go. Let's go pour attaquer la base. Donc avec mon Seaman. Oh, allez, let's go, ça commence comme ça. Le gars est loin, il veut pas venir. Ok. C'est bidon. C'est bidon, mais il va me tuer. Donc non, c'est pas si bidon que ça. Ah, invincible. Allez, je remarque que dans chaque niveau, t'as un truc particulier. Genre là, c'était le speed. Là maintenant c'est l'invincibilité. Faut connaître, hein. Ah c'est moi qui est invincible. Attends, t'es mort, t'es 100% mort mon gars. Oh la vie c'est pour moi. Et c'est ciao, c'est gagné, mais est-ce que en battant le gars, est-ce que je peux... Je peux faire quoi que ce soit ou c'est vraiment gagné ou pas? Ah non, il y a un autre gars qui arrive, quoi. Ah ouais, mais il va défendre coup de son territoire. Comment il a fait pour gagner? Comment ça se fait que le truc il a été aussi vite que ça? Alors qu'avant, non. Bizarre, non, j'ai pas compris.
regarde un peu attentivement. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser régénération. Ah, je peux pas, c'est loin. Momentis l'a déjà bougé. Il t'a attaqué en direct. D'accord. Ouais, c'est pour ça. Vous pouvez pas utiliser. D'accord. Et on peut pas faire ça comme ça. Donc tu l'avais dit, hein, mais je teste. Hein. On sait jamais. On sait jamais si on peut pas faire autre chose. Par contre, il est vraiment bloqué là. C'est soit. Soit il a la chance et il arrive à avoir un double, ou sinon c'est mort. C'est mort pour lui. Bah, déjà, tu vas crever. Donc voilà, bombe atomique dans ta gueule, boum. Voilà, comme ça tu n'auras pas d'or. Mon Mantis il va avancer. Je vais. J'avais pas un truc qui vole. Ah si, j'ai un autre truc qui vole, mais il m'en faut un. Il m'en faut un qui soit là-bas. Alors, truc qui vole. Il est où le truc qui vole? Ça. Je veux ça. Et je veux qu'il avance là-bas. Je réfléchis, hein. Je réfléchis comment ça fonctionne et tout, mais. Là, ouais, il y a plus d'autres de solution, le monsieur, là. C'est. Soit t'y arrives ou soit t'y arrives pas. Surtout qu'à chaque fois, il perd. Il n'arrive pas. Ah, il a pas réussi, donc il en a acheté un. Ok. Et là, maintenant. Ok. D'accord. Je m'attendais à mieux. Pourquoi pas? Donc là, je vais faire ça. Moi, je vais utiliser bombe atomique. Dans ta gueule à toi. Comme ça, mon Mantis. Je sais pas si mon Mantis il peut aller le. Ouais, mon Mantis il peut aller l'attaquer. Donc, du coup, le Mantis, ça va me permettre au moins d'avoir un peu moins de PV à taper. Et puis, let's go. La fameuse zone. T'es mort. T'es tellement mort avec le Mantis, je fais. T'es fini. Un petit croc et ça passe. Donc, nice. Et là maintenant. Ah oui, c'est surcharge qu'il a comme pouvoir. Il est super efficace contre les Prama. Ah, après c'est vrai que je l'ai pas vu. C'est ça? Fort contre les Magus et Ecton. C'est pas ce qui est marqué. Enlève 10 points. Guéris en récupérant. Ah ouais, je peux me guérir. Ah ouais. Mais il est pas marqué. Bon, je te crois. Hein. Je te crois, mais. L'excuse du truc. Ok, destruction. Et là, Momentis. Je confirme. Non, mais ouais, je crois. Hein. Je te crois, mais j'ai vu de toute façon que ça fait bobo. Ça fait bobo, il aime pas trop ça. Ouais, en plus, je suis. Si je peux les défoncer les trois d'un coup, ça serait cool. Je pense pas, il va me dire non. Hein. Oh, ça fait bobo. Ouh, le truc, j'ai fait. J'aime bien Mantis, j'aime beaucoup. Et hop, il me sort le prochain. Ah, dommage. Dommage, par contre, 20 points de vie, c'est pas grand-chose. Sachant que j'ai deux jaggers qui peuvent arriver, là, pour les défoncer plus rapidement. Je vais les bloquer. Je vais les bloquer dans les deux sens, ils pourront pas faire quoi que ce soit. Donc là, bah, mon gars, t'as pas beaucoup de choix. Soit tu arrives à faire un truc, et sinon, bah non, c'est mort. Donc c'est mort, il te reste plus grand-chose, mon gars. Oh, comme par hasard. Ah, il a sacrifié. Après, c'est pas forcément un mauvais deal de sacrifier ses unités pour gagner quelque chose. Et là, hop. Ça dépend comment tu joues et ce que tu fais, je suppose. Donc là, hop. Ah, t'es mort, hein. Ah, t'es mort. C'est peut-être moi qui suis mort. Ok, je lui ai fait bobo, je lui ai retiré la moitié de sa vie. J'aime beaucoup ce niveau-là, parce que c'est loin. Les gars, ils ont du mal à me choper. Ah, si je veux. Moi, je le veux, ce pouvoir. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Hein. Ah, kamikaze. Ah oui, mais c'est ça que tu m'avais dit. L'attaque spéciale.
Ah bah ça fonctionne bien. Bah ça fonctionne bien. Ah non, c'est pas la c'est pas le même truc que j'avais en tête. Effectivement, si t'appuies sur une touche longtemps, le truc peut faire ça. Et il est mort. Et bah c'est mort. Ok, bah c'est cool. C'est vachement cool. Annihilation du gars. T'as pas le choix. C'est soit tu viens vers moi, soit il a pas de pompe. Et allez hop. Qu'est-ce que tu fais? Non, il bougera plus, hein. Il bougera plus, il sait que je peux pas le toucher quand il est comme ça. Donc du coup, pas le choix. Bah, je vais créer des unités, hein, moi, perso, en attendant. Donc moi, je vais créer des unités pour être bien. Et j'ai gagné, hein, à tous les coups. À moins qu'il fasse quelque chose. Oh, il a réussi. Putain, le saligo. Juste... Je suis sûr que j'ai même pas besoin en vrai de l'attaquer. Juste à faire ça et puis c'est bon en fait. Oh, en vrai j'ai juste à faire ça et puis c'est bon. Vas-y, je vais déglinguer le gars à 50. Je sors le deuxième à côté pour qu'il le bute. Ah putain, ça par contre c'est chiant, c'est chiant. C'est moi qui va... Je suis mort. Et c'est lui qui m'a buté. Ah là, mais à coup pas. Mais un coup pas, mais m'a fait la même chose que tout à l'heure. Mais visiblement, les gars qui sont sur la forteresse ont beaucoup plus de pouvoir que toi. Donc c'est un peu... c'est un peu chiant. Je vais pas te mentir. Et bombe atomique dans ta gueule. Parce que là, il va pouvoir prendre des unités et tout. C'est pas ce que je veux. Je veux qu'il meure le plus rapidement possible. Parce que là, pouf, il a réussi à avoir une nouvelle unité. Est-ce qu'il va... Non, il va même pas prendre le temps de venir m'attaquer. Par contre, moi, j'ai du temps pour faire hop... faire ça pour aller chercher je vais me faire une nouvelle armée Mentis notamment Mentis et en vrai j'ai tellement de pognon pourquoi j'ai tellement de pognon je vais tout claquer je vais prendre aussi voilà pour moi j'ai une belle armée let's go et je l'ai déjà touché ou pas. Ah non, je l'ai pas touché. Boum. Maintenant, on attend. Donc là, il va essayer de... d'avoir des autres unités. Donc, c'est échec. Un. Il y en a trois. Ah, il a même pas tenté le reste. C'est... Osef. Ok. Donc là, je peux pas rentrer encore dans la zone. C'est chiant. Bah, je vais toujours faire la même chose. Hein. Je veux dire, je vais dégager... il faut rapidement dégager ces gars-là. Pour pas qu'il ait de l'or et je le bloque. Moi, je vais maintenant ramener les gars le plus vite possible sur la zone pour les attaquer. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, quatrième. C'est chiant, mais il va faire que ça. La partie, elle dure. Hein. Elle dure parce qu'il y a juste un connard qui arrête pas de fusionner, là. Arrête! C'est chiant. Donc là, toi, t'exploses. Ah, en moi. On y va. Ah, mais je viens de comprendre comment ça fonctionne, les niveaux. Les niveaux fonctionnent en fonction de la case sur laquelle tu es. Le gars qui... Ça fait 2 heures qu'il joue au jeu, il vient juste de comprendre. Ah, mais oui, c'est vrai que la case... Ah, c'est vrai, les décors sur lesquels on est, ça ressemble beaucoup à la case sur laquelle on est. Allez, hop. Explose. Ça sert à rien de faire kamikaze parce que j'ai pas assez de santé, surtout de pas assez de power. Aïe. Crève. Il est tué. Oh le yeah baby quoi. Au secours. Mais par contre il va reprendre AK. Ok. Donc Balek, parce que j'ai l'invincibilité, et là. Ok. Là maintenant, on fait ça. Meurs. J'ai touché une fois. J'essaie d'avoir les bonus. Faut que c'est moi qui ai les bonus en premier. Si j'ai pas les bonus, c'est laisse tomber.
Surtout le bonus invincible. Parce que le bonus invincible, je peux le foncer dessus comme un guignol. Bah, comme lui. Voilà. Et là. Non. J'ai pas pu le faire. Trop bien. Bah, est-ce que je peux gagner, s'il te plaît? Parce que là, le match est dur, hein. Ah, bonus. Ah, la vie. J'aime bien la vie. Vraiment, en plus. C'est bien, la vie. Non! Non! Oh, si, si, c'est bien. Oh, gagné. C'est bon. C'est bon. Alors, attends. Parce qu'il en reste un troisième. Il en reste un troisième. Est-ce qu'il va me... vouloir me battre? Bah, théoriquement, oui. Ok. Donc le dernier. Donc le dernier. Ils sont pas trop hasardeux. Bah les... franchement. Il y a des moments où je comprends pas trop comment ça fonctionne. Ou c'est vraiment les auto-tamponneuses. Mais en vrai, ça va. C'est pas non plus... J'aurais pu faire le kamikaze. J'étais con. J'étais trop con. Mais là ouais, c'était... c'est vraiment... on y va. Celui qui rentre dedans, boum boum boum. Mais après, lui, il peut faire ça. Regarde, boum, il est mort. Théoriquement, hein. Théoriquement, si je joue bien. Par contre, vas-y. Missile. Wow, c'était dur. C'était vachement dur, hein, n'empêche, c'était chaud patate. Franchement, je savais pas si j'allais gagner. Hein. Mais voilà, c'est fait. Victoire, Technos. Par contre, combien de Technos? Ok, de l'or, j'en avais 2190. Tu es 18. Victoire superbe. Let's go, bah, enregistrer la partie. D'accord. Et bah ouais, en vrai, là, évidemment, on va faire... je pense que je vais le faire en deux parties. De toute façon, la version japonaise, on va la faire en une heure. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le jeu. Il est vachement classe. T'as des bonnes pensées. Techniquement, ça va pour de la PlayStation. Bah, ça aurait pu être un peu mieux, un peu plus fou. Mais en vrai, c'est vachement bien. C'est super original. T'as vraiment un lore qui est assez poussé. Faut vraiment que je lise tout posément et tout. Mais vraiment... pas mal du tout. Et franchement, Benjamin, t'as choisi un bon jeu. Je suis vachement surpris de la qualité du truc. Parce que je pense... effectivement, il y a peut-être les combats qui sont un peu casse-gueule, parce que c'est vraiment... je te dis, c'est les auto-tamponneuses. T'arrêtes pas d'aller dessus, t'arrêtes pas de faire n'importe quoi, mais en vrai, ça va bien. Ça va vachement bien, et... après, on est qu'au quatrième. Donc là, on va pas faire ça. Évidemment, on va pas faire ça. Là, on va aller sur la version japonaise, parce que c'est quasiment la même chose. Ouais, c'est quasiment la même chose. Ok. Et t'es pas mal noté à l'époque. On va aller voir la version japonaise, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ouais. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Il y a plein de trucs à voir dans les playlists. N'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est là-bas qu'on joue à tous ces jeux fantastiques qui méritent vraiment le détour. Là, pour le coup, je suis vachement étonné du jeu qui est... bah bien. Qui est vachement bien pour ce que c'est. Mais surtout, c'est très original de faire un jeu de baston... et un jeu de stratégie, parce que les deux se valent largement, et je vais aller voir les prix. Bah attendez, avant qu'on se quitte, on va aller voir les prix, parce que ça m'intrigue beaucoup. Bon, par contre, je vais mourir, là. Je vais 100% mourir. Je vais crever aussi. C'est quoi, ça? Par contre, il y a des trucs bizarres, genre ça. Je peux pas voler. Alors, attends. J'essaie de le battre. Enfin, si je bats pas, bah, c'est la mort. Mais même les arènes, ça fait beaucoup penser à... je te dis, à Power Stone. Les Power Stone, c'est encore un autre délire avec des armes, avec des trucs à balancer sur les ennemis. Bon, le savoir-faire de Capcom, hein, pour le coup. Le savoir-faire de Capcom, pour un beau jeu, qui est classe, qui est sympa, et... vraiment, je suis étonné de la qualité du jeu, qui... super, en fait. Vraiment génial, et est-ce que tu peux mourir? Je vois pas où je suis.
J'ai clippé pour ceux qui veulent voir le texte. J'ai pas fait gaffe. Mais même le lore il est cool. Vachement cool. Après parler d'Holocauste, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Par contre, alors déjà on va regarder le prix. Combien il coûte le jeu de base? Je vais sur eBay. Hop. Unholy War. PS1. Je présume que le jeu il doit coûter une couille. À tous les coups. Unholy War sur PlayStation. Le jeu qu'on fait là actuellement, il coûte 50 euros. 50. 30 euros. Ça coûte un peu cher quand même. C'est 50 balles, c'est pas. Alors c'est. Ça va, c'est raisonnable, mais en même temps c'est. Un peu cher pour un jeu PlayStation, je trouve. Mais pourquoi pas. Si tu le vois à beaucoup moins que ça, genre à une petite dizaine, vingtaine d'euros, pourquoi pas. Mais c'est surprenant. Vraiment, je suis étonné de voir la qualité du jeu, qui est vachement classe. Et là, bah justement, on va aller voir la version japonaise. Donc, pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve là dans quelques instants. Et ce pour YouTube, à la prochaine. Allez, bye bye YouTube.